20h-23h, tous les dimanches, avec Snir. Olé, bonsoir à tous, nous sommes dimanche, il est 20h, nous sommes donc en live, bien entendu, comme toutes les semaines à peu près. Il y a des fois des semaines qui sautent à gauche, à droite, mais ce soir on est bel et bien là, vous avez bien choisi le bon endroit pour passer votre soirée. Une soirée sous le signe de la difficulté, mais pas tant que ça, une soirée sous le signe de Rise of the Ronin. Dernier gros jeu sorti en date il y a deux jours, sorti en même temps qu'un certain Dragon Dogma. Le choix a été fait pour moi, je commence par Rise of the Ronin. Vous avez peut-être vu les premières vidéos arriver sur la chaîne, un guide des trophées, une vidéo astuce aujourd'hui et les collectibles qui arrivent dès demain. Pour ceux qui tenteront le platine, on va pas débloquer le platine ce soir. Je ne suis pas encore assez avancé, mais on va avancer justement sur certains points un petit peu répétitifs, on va pas se mentir, mais il faut le faire, on va le faire ensemble. Je vais tout vous dire aujourd'hui, mais globalement dimanche prochain, sauf changement de programme, il n'y a pas de jeu important qui sort. Donc dimanche prochain, on devrait enfin retrouver un platine débloqué. Celui de Rise of the Ronin, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y aura un autre platine à faire, etc. Pour l'instant, j'en sais rien. Final Fantasy est mis en pause, bien entendu, parce qu'il faut absolument que je fasse Rise of the Ronin dans un premier temps. Je reviendrai peut-être sur Final Fantasy après. Il y a Dragon Dogma qui est également derrière et qui toque à la porte. Et pas possible de tout faire en même temps, donc il faudra bien y arriver petit à petit. Donc voilà, mais pour l'instant, Rise of the Ronin, il y a des gens qui ont besoin des collectibles, donc on bourre les collectibles de Rise of the Ronin. Une fois que c'est fait, une fois que les gens peuvent se débrouiller tout seuls, je reviendrai sur les autres jeux. J'aimerais bien revenir sur Final Fantasy quand même, parce que j'aimerais bien aller jusqu'au bout de celui-ci, mais il y a quand même Dragon Dogma, donc je ne sais pas si je vais pouvoir me permettre de faire une pause sur Dragon Dogma, ou s'il faudrait que j'enchaîne sur Dragon Dogma. À réfléchir, j'ai pas l'impression que Dragon Dogma ça commence très très fort. J'ai l'impression que ça va tout doucement en France, mais peut-être que je me trompe. Donc à voir. En tout cas, pour l'instant, il y a déjà Dragon Dogma, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Ça ne te dit rien, Alone in the Dark, comme tu peux voir, il y a déjà trois gros trucs à faire. Alors, Alone in the Dark qui est encore plus petit, il n'y a aucune chance de le caler, ni impossible. Même pas des petites brides, 0% Alone in the Dark. Par contre, le jeu est sorti, j'ai pas du tout regardé les tests ni quoi que ce soit. Est-ce que c'est bien Alone in the Dark ou pas? Ceux qui l'ont fait, ceux qui ont vu des tests, dites-moi. Parce que comme ça, avec les images, j'avais vraiment peur. Moi, j'ai un petit doute, et du coup, ça se trouve, c'est pas mal. Mais à voir. Vas-tu faire Helldivers 2? Non, on me pose la question chaque semaine. Helldivers 2, je crois, et à chaque fois on me répond pas, mais je repose la question. Je crois que c'est 100% coop, mais est-ce qu'il y a possibilité de le faire en solo, Helldivers? S'il n'y a pas de possibilité de la faire en solo, non, c'est un jeu coop, donc il n'y aura pas de guide, il n'y aura pas de vidéo, ni quoi que ce soit. Voilà, je sais même pas s'il y a des objectifs particuliers à faire intéressants, ou si c'est juste du bourrinage d'extraterrestres répétitif et toujours pareil. Donc je sais pas du tout, j'ai pas regardé une seule image de Helldivers. J'ai bien compris que par contre c'était un jeu qui avait bien marché, effectivement. Donc pour ceux qui y jouent, vous pourrez nous en parler. Tu peux le faire en solo, mais tu vas en chier. Ouais, c'est quand même bien pensé pour la coop, d'accord, mais apparemment c'est possible en solo, très bien. Bon. Le Ninja Dark est génial, d'accord, très bien, génial, j'aimerais le platine, d'accord, bonne nouvelle, c'est une bonne chose qu'ils aient réussi, parce qu'effectivement, comme ça, les images, ça avait l'air très rigide, etc., donc pourquoi pas. Je pensais comme toi pour le Ninja Dark, et c'est vraiment sympa, ça rappelle le premier Resident Evil. Ok, d'accord, bon, et très bien, malheureusement, on n'aura toujours pas le temps de le faire, hein, ça ne change rien, mais au moins, vous pourrez peut-être vous y diriger s'il y en a certains qui hésitaient. Hâte de voir sur Dragon Dogma 2. Alors, Dragon Dogma 2, effectivement, je ne sais pas ce que je vais faire dessus. J'ai même pas regardé les trophées pour vous dire, parce que j'ai pas eu le temps du tout de quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il y a des trucs très durs, des trucs à farmer pendant des heures, etc. Donc, je fais déjà Rise of the Ronin, et après, je regarde où on en est. Du coup, Rise of the Ronin, petit brief, où est-ce que j'en suis? J'ai fini le jeu, bien entendu. J'ai bien avancé sur le 100%, mais j'ai pas fini. Globalement, il me reste encore des trucs à récupérer, je vais faire ça en début de semaine, et surtout, il me reste toutes les missions secondaires du jeu à faire. Il y en a pas mal, il y en a une cinquantaine, les missions secondaires qui s'affichent un peu à gauche, à droite sur la carte, avec tout un tas de personnages différents. Voilà, donc faut que je fasse tout ça avec tout le monde, et après, je serai quasiment proche du platine, quelques mini-jeux à faire également, et quelques derniers petits trucs à récupérer, et on est bon.
On va avancer sur deux choses ce soir qui sont des trophées qui sont un peu répétitifs malheureusement. Ah bah tiens, bonne nouvelle, on a une juste devant nous, là au-dessus de ma tête, là hop, il y a un petit drapeau blanc. Ces petits drapeaux blancs sont des événements aléatoires qui apparaissent un peu partout dans le monde. Il n'y a pas d'emplacement précis et il y a un trophée qui vous demande d'en faire 50. C'est pour ça que dans mon guide, je vous préviens en disant, dès que vous en voyez au fur et à mesure de votre jeu, prenez le temps et faites-les parce que comme ça vous n'aurez pas... Oui mon cheval, oui j'ai bien, beau cheval. Et comme ça, vous n'aurez pas à refarmer après. C'était l'erreur que j'ai fait moi. Et donc, bah, du coup, vu que j'ai fait l'erreur, je vous préviens. Donc voilà, il faut que ce soir, on en fasse 25. Ça devrait passer sans aucun souci. En même temps, il faut que je me force à faire des assassinats discrets. Je n'ai toujours pas débloqué le trophée des assassinats discrets, puisque j'ai plutôt bourriné dans le jeu. Et il faut faire 100 assassinats discrets. Donc après, il faudra de nouveau farmer un petit peu les ennemis pour en faire un maximum. Et si on est bon sur le timing, on a réussi à débloquer ces deux choses-là, c'est super. On a une mission à relancer dans le mode le plus difficile du jeu. Ça peut être un challenge intéressant à faire en live, puisque il y en a peut-être qui se demandent, encore une fois, est-ce que c'est très difficile Rise of the Ronin ? Non. Si vous mettez le mode le plus simple, ce n'est pas très difficile. La preuve, j'ai fini le jeu. Et ça, c'est un bon point, parce que vous savez que je n'ai aucune expérience dans ce genre de Souls-like très difficile. Et celui-ci, je l'ai fini sans trop de difficultés dans le mode le plus simple. Ainsi, je pourrais même vous recommander pour ceux qui cherchent un petit peu de difficulté de ne pas mettre le mode le plus simple. Vous allez sans doute profiter encore plus du jeu. Mais donc non, ça, c'est largement accessible pour absolument tout le monde. Cependant, il y a quand même un trophée qui demande de relancer une mission en mode méga hardcore difficile. Et comme ça, vous aurez un petit peu de challenge obligatoire. Comme ça, voilà. Et puis, on va se tenter ça, je pense, ce soir. Et d'ailleurs, il y a une deuxième mission qu'on pourrait relancer également si on est bon sur le timing. Parce qu'il y a un boss qui se débloque seulement après avoir fini le jeu. Il faut relancer une mission et comme ça, vous avez le boss. Et il faudrait qu'on le fasse aussi. Donc on verra ce que ça donne. Alors, je vais remonter rapidement les remarques, les questions. Et après, on avance. Il te reste quoi à faire sur Rise. Donc, c'est fait. Tu en es où du platine de Final Fantasy VII Rebirth? T'as réussi les défis du simulateur? Non, mais j'y ai pas passé du temps. Donc je n'ai pas réussi, mais c'est parce que j'ai pas pris le temps d'essayer. J'ai bien compris qu'ils étaient difficiles. Faudrait que je m'y mette. Mais en gros, sur Final Fantasy VII, il me manque comme tout le monde, c'est-à-dire les derniers mini-jeux pour les objets de Johnny. Et j'ai pas fini le mode difficile encore. Voilà, c'est les deux choses qui me restent sur Final Fantasy, donc ça prend du temps. Et heureusement, c'est que je manque de temps pour l'instant à la sortie des gros jeux. Mais dès que j'ai de nouveau du temps, je m'y remets et j'essaye de vous faire des vidéos astuces sur la chaîne secondaire pour les quelques petites choses qui pourraient poser... problème. Voilà, redescends les commentaires. Est-ce que ça sort sur PC Rise of the Ronin? Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est une exclusivité PlayStation 5, mais bien souvent, les jeux PlayStation 5 finissent par arriver sur PC, et c'est pas dit que celui-ci aussi, donc faudra juste être patient, ça arrivera peut-être l'année prochaine. Vas-tu faire le platine avec un fa? Non, tous les chats ont déjà été récupérés, pareil pour la vidéo des collectibles, donc non, c'est vrai. Bonne remarque, il y a des chats à récupérer dans le jeu, alors je peux pas vous les montrer, je les ai tous récupérés. Mais il y a des chats, il y en a 100, plein, beaucoup, c'est beaucoup trop. Il y en a 100 à trouver et à récupérer absolument partout. Et pour ceux qui voudraient un platine joli, c'est une très bonne remarque. Vous pouvez attendre le dernier, vous laisser un chat un dernier endroit joli. Et comme ça, vous allez récupérer le chat pour votre platine et vous avez un joli platine avec un chat, c'est une très bonne remarque. Je ne sais pas, il y a l'air moche ou c'est YouTube qui donne ce détail. Non, le jeu n'est pas très beau. Le jeu est très daté, pas forcément moche. Parce que ça reste un petit style naturel avec des petites couleurs, etc. Mais on est très clairement loin des standards graphiques habituels des jeux next-gen, bien entendu. C'est pas une surprise, on l'avait déjà vu dans les trailers, je l'avais mentionné notamment dans ma preview du jeu. Il ne faut pas s'attendre à une perle technique, cependant, les graphismes ne font pas tout. Et tant que le gameplay est bon, ça peut être un bon jeu, mais c'est vrai pour ceux qui adorent les graphismes. Attention, ça fait un petit peu mal. T'en es où du mode difficile de Final Fantasy VII? Je galère. Ouais, c'est toujours prévu que je fasse des vidéos sur tous les boss, mais pareil, pas eu le temps. Donc dès que je peux reprendre, je fais les vidéos sur tous les boss. Mais du coup, j'ai quasiment pas avancé. Je suis à la fin du chapitre 3 sur Final Fantasy VII en mode difficile. Donc, dès que je peux reprendre, je reprends et je fais des vidéos pour conseiller sur les boss, etc. Mais pareil, ça prend du temps. Le petit café est présent, bien entendu. Bah, écoutez, c'est parti, on va pouvoir avancer au fur et à mesure dans ces objectifs parce que quand même, il en faut 25. Et donc, ça peut prendre un petit peu de temps quand même de faire les 25 parce qu'ils apparaissent aléatoirement. Donc on est un peu dans l'attente du jeu qui nous en affiche à gauche, à droite. Mais globalement, il s'affiche assez rapidement. On peut jouer à combien de personnes? Sur Rise of the Ronin, tu peux jouer à 4 uniquement dans les missions principales. En exploration, tu ne peux être que solo. Quand tu commences des missions, tu as le choix...
et bah de faire appel à des gens ou de rejoindre des parties pour faire la mission plus facilement. Et ça va jusqu'à 4. Voilà. Mais pour ceux qui se demandent, c'est pas du tout obligatoire avec des modes de difficulté classiques. Vous pouvez tout faire tranquille tout seul, surtout que le jeu va globalement vous donner des alliés à chaque mission, des alliés qui seront avec l'IA. Et c'est déjà bien plus efficace que d'être tout seul. Donc là voilà, on a fait une première mission. Alors ces missions aléatoires, vous allez voir, elles sont très, très répétitives. C'est souvent soit on tue des gens, soit on accompagne quelqu'un à un endroit. Donc il faudra prendre son mal en patience et les faire au fur et à mesure. Donc là c'est l'objectif, c'est de se balader à gauche à droite et d'attendre qu'elles apparaissent. Au moins la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir répondre à vos commentaires dans ce premier temps. Parce qu'après quand on lancera la mission en mode difficile, il se pourrait que j'ai un peu moins l'occasion de regarder le chat. Une fois qu'on a fini sur le jeu Rise, on peut se balader. Oui, pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo du guide des trophées, je vous invite à aller la voir. Comme ça, vous aurez en 10 minutes tous les détails qu'il faut. Mais on peut rappeler les détails importants. Rien n'est manquable sur ce Rise of the Ronin. Tout est disponible après la fin du jeu. Et même mieux, les missions peuvent être relancées indépendamment et un peu comme vous voulez. Parce qu'il y a certains choix à faire dans certaines missions qui peuvent bloquer certains petits personnages, etc. dont vous pourriez avoir besoin pour débloquer des objets, des trucs comme ça. Mais sinon à part ça globalement il n'y a rien de manquable. Donc aucun trophée qui vous poserait problème si vous oubliez des choses. Donc il n'y a pas de souci là dessus à part la mission que vous pouvez donc relancer en mode difficile. Tout le jeu peut être fait en facile même si c'est pas réellement un mode facile hein, c'est plus un mode simplifié et un peu plus clément. Donc ça reste accessible pour absolument tout le monde. Voilà, en termes de durée, comptez une cinquantaine d'heures pour faire le platine de Rise of the Ronin en fonction de comment vous papillonnez à gauche à droite, de comment vous avancez, de votre mode de difficulté, et donc de votre skill également, puisque bien sûr les meilleurs iront plus vite. Hop, deuxième petite mission. Voilà, et je l'ai noté 4 sur 10 en termes de difficulté, en sachant que c'est 4 sur 10 provisoirement, parce que je n'ai pas encore fait la mission en mode méga difficile, et après ce live, normalement, je saurais vous dire si ça reste à 4 sur 10 ou pas. Est-ce que t'as aimé l'histoire de Rise of the Ronin? Oui, on va pas en parler trop pour pas spoiler, mais oui, alors faut aimer le Japon, forcément, c'est très historique quand même. Donc c'est vrai que moi, que pas forcément un intérêt particulier avec ça. C'est pas ce qui m'a intéressé le plus, mais ça va, c'est tout à fait correct. Ok, donc là, par exemple, on avait une petite mission pareille. Ici, il fallait juste lui donner de l'argent, donc il y en a qui sont faciles quand même à faire. Je sais pas ce que ça donne au niveau gameplay, mais graphiquement, il est mieux que Forspoken. Je sais pas si t'as joué à Forspoken en fermant les yeux, mais ou loin de la télé. T'as peut-être joué très très loin de la télé, genre dans une autre pièce, avec la porte fermée. Mais j'irais peut-être pas jusqu'à dire que Forspoken est moins beau que ce jeu, hein. Forspoken, il y a des effets quand même qui sont vraiment classe. En termes de texture, c'est un petit peu plus détaillé. Je trouve que là, on est quand même à la limite de des fois des textures baveuses, etc. Ah, j'ai du mal à voir Forspoken moins joli. Mais bon, en tout cas, niveau gameplay, c'est mieux. C'est clairement mieux. C'est vrai que Forspoken, niveau gameplay, c'était d'une répétitivité infernale. Merci Patrick, j'arrive. Là, on est sur un gameplay beaucoup plus profond. On est sur du timing, etc. C'est plus passionnant, c'est plus intéressant. Donc le gameplay est mieux. Mais bon, après, les graphismes, encore une fois, ne font pas tout. Merci Patrick, 19 mois dans la team café. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça ressemble pas à Ghost of Tsushima. Non, ça ne ressemble pas à Ghost of Tsushima. Alors, l'ambiance générale, un peu. La réalisation aussi, on est beaucoup sur des plans fixes, etc. Ghost of Tsushima, c'était quand même beaucoup ça, c'était beaucoup du plan fixe, de la cinématique avec des écrans noirs qui sautent, etc. On s'en rapproche sur l'ambiance, hein, forcément, Japon à fond, etc. Par contre, bah, sur l'aspect graphisme, non, sur le gameplay, pas du tout. Bon, on y retrouve un petit truc, forcément, parce que c'est proche dans l'ambiance, mais ça ne va pas beaucoup plus loin, c'est vrai qu'il faut vraiment pas s'attendre à un Ghost of Tsushima bis. Les jeux de la Team Ninja, c'est pas le premier truc mis en avant, généralement c'est le gameplay. Absolument, tout à fait, d'ailleurs pas que la Team Ninja, hein. De manière générale, les Souls-like ne sont pas les jeux les plus jolis du monde. Si on prend Lies of P qui est sorti dernièrement, c'était pas le jeu le plus joli du monde. C'était sans doute un peu plus joli que Rise of the Ronin, mais c'était pas la claque à fond. Même les Dark Souls, alors si on prend le dernier remake Demon's Souls est absolument magnifique. Mais les Dark Souls, c'est pas... Alors c'est des jeux plus vieux, vous allez me dire, ok, vous avez raison. Mais on peut y rejouer maintenant, sans que ça pique les yeux, et ça va. Ça va. Mais effectivement, ouais, mais par contre, on voit qu'ils n'ont pas évolué. C'est-à-dire que c'est le même moteur que les Nioh,
Et c'est malheureusement peut-être un peu dommage. Il faudrait peut-être passer à la vitesse supérieure. Maintenant qu'on arrive sur la next-gen, on peut plus permettre de sortir des jeux datés comme ça, avec des gros budgets, bien entendu, surtout avec PlayStation derrière. Ce serait dommage. Allez, un peu de combat pour commencer. Alors, pour ceux qui n'auraient pas du tout vu de gameplay de Rise of the Ronin, hop, merci Mika, 35 mois dans la Team Café, c'est magnifique, merci beaucoup Marcus qui récupère la petite étoile comme dans Mario Kart, et boum, hop, ce serait bien que Marcus il se mette à faire tat-tat-tat comme dans Mario Kart avec des trucs arc-en-ciel, mais c'est un peu trop compliqué à faire, on ne le fera pas. Mais merci beaucoup. Du coup, oui, pour ceux qui n'ont pas du tout vu de gameplay de Rise of the Ronin, c'est un jeu qui se base beaucoup sur les esquives et les parades surtout. Très important de maîtriser la parade dans le jeu, c'est ce qui vous permettra de survivre la plupart du temps. Un autre truc qui peut faire penser à Ghost of Tsushima, c'est les postures. Vous avez des postures de sabre non, mais c'est pas mon cheval que je veux. À changer et à adapter en fonction des ennemis. Donc très important, parce que sinon vous divisez par deux vos dégâts. Et ça peut effectivement faire penser un peu... Attends, faut se concentrer quand même, parce qu'en parlant, c'est pas facile d'appuyer sur le timing au bon moment. Voilà, parce qu'en plus, ils enchaînent les attaques, il faut vraiment faire des parades successives. Voilà, et c'est les parades successives qu'il faut impérativement maîtriser dans le jeu, sans quoi c'est compliqué. Non mais je t'ai pas demandé. Reste là. Merci. Et pour ceux qui se demandent, c'est assumé à 100%, je suis, oui, dans le mode le plus facile. Voilà, parce que on me propose, moi j'accepte. On m'aurait pas mis de mode facile, je l'aurais fait en mode difficile. Mais là, voilà, on m'a proposé, j'ai accepté. Donc vous allez peut-être avoir l'impression que je suis fort et que je joue bien. Il n'en est rien, c'est juste que le mode facile est effectivement accessible si vous maîtrisez les parades. Sans aucun problème. Merci monsieur. Hop. Encore une quête secondaire. Alors j'ai pas compté depuis le début, on a dû en faire 3 ou 4. Il en faut 25 encore. J'en ai fait déjà 25, il m'en reste 25. Il en faut 50 pour un trophée. Hop là. D'autant qu'ils ont mis du temps pour son développement, ils auraient pu faire un effort, franchement, à se mettre à la page. Si je dis pas de bêtises, si j'avais bien vu ce qu'il disait, sanglant. Oui, vous pourrez voir, il y a des têtes coupées, on décapite les mecs sans aucune pitié. Qu'est-ce que je voulais dire avant? Oui, je crois que le développement a démarré depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que ce jeu est développé, c'est impressionnant. Et ça explique peut-être l'aspect graphique. Merci Logan pour tes 6 mois dans la Team Café. Régale-nous, éveille le samouraï qui est en toi. La tenue fait pas trop le samouraï de l'ère Edo par contre. Absolument, mais si tu veux, on peut la changer. Puisque j'ai tout ce qu'il faut en équipement. C'est juste que bah, c'est l'une des meilleures armures que j'ai. Donc, j'avais pas envie forcément de trop changer. Parce que, un autre truc qui devrait vous rappeler Ghost of Tsushima. Ils en ont remis. Et ça m'étonne absolument. Et c'est pour ça que j'ai fait une recherche Google. Et en fait, il faut savoir que ce genre de casque. Ce genre de casque en osier, là, en fait, ça a vraiment existé. C'est-à-dire que les samouraïs utilisaient vraiment des casques en panier comme ça à l'époque. C'est pas juste une blague de la part des développeurs. Moi, au début, quand j'ai fait Ghost of Tsushima, qu'ils avaient mis ça, je me suis dit, les développeurs, ils sont cons, ils ont mis un panier sur la tête, c'est rigolo et tout. Non. C'est 100% historique. Il y a vraiment eu ça à l'époque des samouraïs. Alors... nous on voit Moyen-Âge, les chevaliers, casque en métal avec des pointes et tout, là tu vois, tu comprends. Là j'ai un peu plus de doutes sur l'efficacité de la protection, mais apparemment aucun souci. Ah mais j'ai les meilleures armures depuis, et ben voilà, regardez, est-ce qu'on n'est pas mieux déjà comme ça là? Voilà, on est bien comme ça, c'est mieux. En tout cas, merci beaucoup Logan pour ton soutien. C'était souvent les Ronins plutôt que les samouraïs. Sans doute, effectivement. Et pour ceux qui n'ont pas la subtilité, Ronin et... Alors, Ronin ou Ronin, ça dépend comment vous dites. Mais moi, je dis Ronin, là, bien français, là. Les Ronins, c'est un samouraï qui n'a pas de maître. Voilà. Et qui sont un peu vagabonds à gauche, à droite. Voilà. Bon, et ben on est mieux comme ça. On est mieux. Il n'y a pas la même tenue que pour le platine de Ghost of Tsushima. Bah, le panier, on est bon. Par contre, je crois pas qu'il y ait de panier. Slash string à vérifier, mais je crois pas qu'il y ait de tenue légère. Peut-être dans les toutes premières tenues du jeu, mais vu que j'en ai enlevé quelques-unes pour faire de la place, peut-être que c'est bien plutôt au début du jeu qu'on aurait eu ce genre de truc. Mais non, il n'y a pas l'air d'avoir de pagne, malheureusement. Oh, petit costume, attends, fais voir. Mais classe! Classe, oui, parce que dans le jeu, on est beaucoup plus tard que dans Ghost of Tsushima.
Ghost of Tsushima se passe autour des années 1200, si je ne dis pas de bêtises. Rise of the Ronin, c'est plutôt dans les années 1800. Dans les années 1800, au Japon, on a ouvert les frontières, et du coup, il y a tout un tas d'Occidentaux qui sont arrivés, notamment les Anglais, les Français aussi, etc. Et dans ce jeu, il y en a. Il y a des Français, notamment. Et c'est pour ça que vous allez voir énormément de tenues occidentales, d'armes occidentales, c'est parce que ça fait partie de l'histoire du jeu. Bah tiens, justement, merci pour cet exemple parlant. Voici un drapeau français devant vous, mesdames et messieurs. Donc, on suppose que c'est un français ici aussi, bonjour. Excusez-moi, bonjour. Ah, il parle anglais. Parle anglais ? Pardon. Excusez-moi. Bon, voilà, bref, vous avez compris. Reprenons notre objectif. T'as mis le jeu en VF ? Oui, j'ai mis le jeu en VF. Pour ceux qui se posent la question, il y a une VF totalement, entièrement, zéro, à 100%. Donc, il n'y aura pas besoin d'écouter en anglais ni de lire de sous-titres. T'as vu, ton katana fait 3 mètres. Ouais, en fait, j'en avais. J'avais un petit souvenir de Final Fantasy. Là, je me suis dit, Sephiroth, il me manque. Donc, j'ai envie de retrouver de retrouver Sephiroth. J'ai pris le katana de 3 mètres. Il y a 9 types d'armes dans le jeu, diverses et variées, qui ont toutes des rapidités, des avantages différents. Donc, il y a des lances pour avoir beaucoup de distance, mais qui sont un peu plus rapides. Il y a les katanas qui sont des très classiques, un peu rapides, un peu forts, etc. On a les épées doubles qui sont plutôt sympas également. On a les odashi, donc qui sont des énormes sabres particulièrement grands. On a des sabres, petites épées courtes comme ça. On a des épées plus longues en mode un peu chevalier. On a cette grande lame très intéressante également. Des fusils également, on a des armes à feu, plein d'armes à feu dans le jeu, avec des baïonnettes, on peut... voilà, regardez ça, épée longue là, on peut arriver en mode chevalier pour décapiter des gens, c'est plutôt classe. Voilà, donc, et puis des plus petits sabres également. Donc pas mal d'équipements en divers et variés, hein. Bien sûr, ça reste un RPG, donc on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à débloquer. Et après, à vous de faire le tri, d'améliorer, etc. On gagne beaucoup d'équipements au fur et à mesure. Il y a combien d'armes différentes? Il y en a des dizaines et des dizaines. Je les ai moi-même pas toutes débloquées, je les ai pas comptées. Donc c'est pas comme dans Assassin's Creed où tu vas pouvoir faire une liste exhaustive des armes. Là c'est beaucoup plus gros que ça. Bon, et bah du coup on va continuer. On va peut-être se mettre un petit point sur la carte histoire de ne pas aller n'importe où. Notre but encore une fois c'est de se balader et de faire apparaître avec un peu de chance des missions secondaires. Est-ce qu'il vaut le coup? Il vaut le coup. Si t'as pas beaucoup d'attentes, faut pas s'attendre au jeu de l'année. On va pas se mentir, ce sera très probablement pas un jeu nominé aux Game Awards. Cependant, ça reste un bon jeu si t'aimes le style un peu exigeant, où tu dois kiffer les parades, et surtout si tu kiffes le Japon. Voilà, c'est pas incontournable, mais franchement, ça se fait, et c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. Faut pas s'attendre à des graphismes incroyables. Vous pouvez le voir, c'est un peu daté. Mais oui, ça vaut le coup. Peut-être qu'à 80 balles, ça fait un peu cher. Attendez peut-être une petite promo, mais bon. Les mini-jeux sont sympas, pas comme Rebirth. En fait, Rebirth, les mini-jeux sont pas mauvais, c'est juste qu'il y en a... Oh. S'il y avait un tiers des mini-jeux de Rebirth, les mini-jeux de Rebirth seraient bien. C'est juste que là, il y en a 3 milliards à faire 300 fois d'affilée, donc c'est lourd. Mais effectivement, il y a aussi pas mal de mini-jeux, enfin quelques mini-jeux dans celui-ci, qui sont des mini-jeux de tir, d'adresse, de vol, etc. Et il y a aussi des trophées qui demandent de faire le score maximal, hein, d'ailleurs. Il y a un faux furieux par ici. Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide? Merci, suivez-moi. Tu estimes une durée de jeu combien? La durée de vie du jeu tout seul, c'est 20-25 heures pour l'histoire principale et une vingtaine d'heures supplémentaires pour le contenu secondaire. Donc en gros, j'estime le platine pour l'instant à 50 heures environ. Voilà. Mais l'histoire du jeu n'est pas hyper longue, c'est environ une cinquantaine d'heures. C'était un guet-apens. Oh, je me suis fait U. Alors là, vous allez peut-être avoir l'impression que je déglingue les gens rapidement si vous commencez le jeu. C'est normal, c'est parce que je suis dans une région de niveau débutant, en fait. Tac. Il y a trois zones dans le jeu qui augmentent de niveau au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Aïe. Et donc, quand vous revenez dans la première zone, et bah après le jeu, après la fin du jeu, c'est plus simple. Tac. Voilà.
On pourra changer de région au fur et à mesure en fonction de... Hop, nouvelle petite mission faite, on va enchaîner. Est-ce que ça vaut un Ghost of Tsushima? Selon moi, c'est un peu en dessous. En termes de qualité, en termes de, d'écriture, en termes de graphisme. Eh, Ghost of Tsushima, qu'est-ce que c'était beau! Oh là là, qu'est-ce que c'est incroyable, c'est toujours beau d'ailleurs. Oh, je suis impatient pour l'épisode 2. Oh là là, Ghost of Tsushima 2. Ils vont avoir boosté leur moteur. Ils vont avoir les bases du premier qu'ils ont pu faire évoluer. Ça va être incroyable. Incroyable. En plus, vu qu'ils savent que maintenant c'est une licence qui se vend, qui marche bien, ils vont mettre un peu plus de budget. Oh, Ghost of Tsushima 2. Je sais pas quand ça va sortir, mais... Oh, incroyable, ça va être génial. Donc les boss, c'est pas très dur. Bah, ça dépend de ton mode de difficulté. Si tu te mets en mode de difficulté difficile, le plus gros, tu vas cracher du sang. Ça reste un jeu exigeant. Mais par contre, en mode facile, normal, enfin je sais pas comment on peut le nommer. On va l'appeler facile parce que c'est quand même le premier, même si c'est pas réellement en mode facile. En mode facile, franchement, ça passe. Il y a quand même des fois où j'ai dû recommencer pas mal de fois les boss, mais j'ai eu aucun moment où je me suis vraiment été confronté à un mur de difficulté. Qui est pourtant le cas généralement dans ce genre de jeu, que ce soit dans Nioh ou dans Wulong Fallen Dynasty, le précédent jeu du studio. Au bout d'un moment, on arrive face à un boss qui est beaucoup trop dur, et c'est normal, c'est volontaire, le jeu te demande de farmer, d'augmenter tes levels, etc., et de prendre en skill au fur et à mesure, il faut te casser les dents sur le boss pendant 30, 40, 50 minutes, voire plusieurs heures. C'est pas du tout le cas dans celui-ci. À aucun moment dans le jeu, je me suis confronté à un boss où j'ai dû galérer pendant des heures et des heures. Mais parce que j'étais dans le mode de difficulté le plus simple. Si vous cherchez un peu plus de challenge, il faudra peut-être aller monter la difficulté un peu au-dessus. Hein, parce que sinon, vous risquez d'être déçu. Ghost of Tsushima annonce 2024, sortie 2025. Hypothèse, je précise. Je ne vois pas une sortie aussi rapide. Je pense que la sortie sera un peu plus tardive. Par contre, je pense que le premier trailer pourrait clairement arriver lors du Summer Game Fest en juin dans une conférence PlayStation. C'est très, très probable. Par contre, une sortie, je la vois plus tard, moi. La voix plus tard, Sucker Punch c'est quand même un studio qui va doucement. Hein. Leur rythme de sortie c'est quand même pas tous les 3-4 ans, c'est beaucoup plus tard que ça. Et si je dis pas de conneries, Ghost of Tsushima c'était 2020, le premier. Sauf si je me trompe, mais je crois pas. Et 4 ans c'est trop peu, pour même 5 c'est trop peu. On est plutôt sur 6-7 de la part de Sucker Punch. Alors peut-être qu'ils vont renforcer le studio, peut-être qu'il y aura plus de monde et qu'ils sont capables d'accélérer un peu. C'est possible aussi. Mais Ghost of Tsushima 2, 2026-2027 selon moi. Et je peux me tromper. C'était pas 2021, Ghost. Ah bah si c'était 2021, c'est encore pire. Effectivement. Les gens abusaient sur la critique des graphismes, quelques animations ratées, mais sans plus. Elles sont pas ratées, les animations, elles sont un peu légères, surtout. Par contre, je trouve que la critique des graphismes est un peu méritée. C'est un point faible, il faut le mentionner. Faut pas dire que c'est dégueulasse et que c'est injouable, parce que tous les jeux, même moins jolis, se supportent, ils sont bien. Et c'est le cas de celui-ci, c'est que ça se supporte très bien. Au début, tu trouves ça moche, mais après, tu t'habitues. Et même, c'est une bonne idée. Comme ça, quand tu reviens sur un jeu plus joli, tu le trouves encore plus joli, tu vois. Là, tu fais Horizon Forbidden West. Après celui-ci, oh, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Tu arrives dans un parc naturel après avoir passé 3 ans de ta vie dans les égouts. C'est fabuleux, tu vois. Même si le parc naturel n'est pas si incroyable. Et bah, c'est pareil. Rise of the Ronin, il faut s'y habituer. Une fois que t'es habitué, tout paraît joli. C'est bon. C'est comme si t'habites à Vichy. Bon, bah, Vichy, c'est pas très joli. Bah, voilà. Hop, et après, t'arrives. T'arrives à, je sais pas moi, une ville jolie, t'arrives à Bordeaux, putain c'est magnifique Bordeaux, alors que bon Bordeaux bah, c'est bien, mais c'est pas, voilà, bah, c'est pareil, Rise of the Ronin c'est un peu Vichy, c'est bien, c'est pas très joli, mais c'est pas si terrible, voilà, notez ma comparaison, mais y a-t-il beaucoup de collectibles? Oui, oui, mais pas autant dans un jeu Ubisoft, si ça peut t'assurer. Mais quand même, ils sont un peu tombés dans le piège malheureusement. Alors un piège, forcément c'est un open world. Donc tous les open world, il faut les remplir. Et à part quelques exceptions où ils ont vraiment bossé le truc, du genre un The Witcher, un truc comme ça, la majorité des open world n'ont pas d'autre choix. Il faut remplir le jeu avec des objectifs et des collectibles. Et sinon c'est vide. Sinon ça fait Forspoken. Et donc, enfin. Et donc du coup, oui, il y a pas mal de collectibles. Les collectibles sont des chats. Il y en a 100. Beaucoup. Ça fait beaucoup. J'ai tout enregistré aujourd'hui. Je fais la vidéo demain.
Il y a des photos. Alors certaines apparaissent sur la carte quand vous êtes passé à proximité, donc ça peut déjà vous permettre d'en trouver certaines, mais pas toutes. Donc il y a des photos, il y en a une cinquantaine je crois. Il y a des fugitifs, les fugitifs sont des mini-boss. Pareil, une cinquantaine de mini-boss à buter, ça compte comme des collectibles peut-être, oui. Voilà, il y a des coffres, il y a une centaine de coffres à ouvrir. Voilà. Et il y a toutes les missions secondaires à faire, donc il y a quand même beaucoup de... Y a-t-il quelqu'un qui ait confiance en ses talents martiaux ? Il y a quand même beaucoup de collectifs, hein, on va pas se mentir. Vous là, un seul regard me suffit pour savoir que vous êtes un dur à cuire. Horizon, la preuve que les graphismes ne font pas tous, c'est tellement fade. Il y a deux camps ouais, sur Horizon, il y en a qui adorent l'histoire, il y en a qui aiment pas. Moi je fais partie des gens qui sont moins fans de l'histoire aussi. Vichy vient y faire un tour avant de dire que c'est pas joli. J'avoue, je n'y suis jamais allé. Ok. Mais j'ai un petit pressentiment sur quand même le style de ville que c'est. C'est-à-dire des villes un petit peu de l'ancienne France, c'est-à-dire un peu à la Saint-Étienne. C'est-à-dire que on est quand même un cran en dessous de ce qui se fait. Et il suffit d'être objectif pour se rendre compte que bon. Mais très bien, ça peut être très bien. Ça peut être très bien. Vous avez manié votre arme pour déséquilibrer mon élève. R1, enlève le sang de ton arme. R1, enlève le sang de ton arme. Ça ne fait rien. Non, ça ne fait rien. L1 peut-être ? Non. Non, R1 n'enlève pas le sang de mon arme. C'est peut-être seulement avec certaines armes. Attaque et R1. Ok. Ah, c'est cool. Bon, ça sert à rien, mais c'est cool. Mais après, est-ce que j'ai pas plutôt envie qu'il y ait du sang sur mon arme, moi ? Peut-être que oui. Cheval. As-tu fait Dragon Dogma 2 ? Non, j'ai pas eu le temps. Hein. Je suis sur Rise of the Ronin depuis la sortie de Rise of the Ronin. Et Dragon Dogma, j'essayerai de m'y mettre après. À pas se mentir, c'est pas la motivation qui est le sentiment prédominant pour l'instant. Mais bon, j'essayerai. Je vais déjà regarder les trophées et de voir ce que ça donne. Allez, continuons. On fera un petit point sur combien j'en ai fait après, mais je crois que j'en ai fait une dizaine maximum. Et pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, l'objectif du jour, c'est d'avancer dans le 100% et de faire les objectifs un peu répétitifs. Hein. Il faut s'y mettre. C'est pas le plus intéressant, mais let's go. À savoir qu'il faut que je trouve des missions secondaires qui apparaissent aléatoirement dans le monde et un trophée qui demande d'en faire 50. Et je n'en ai pas fait 50, donc on va y aller petit à petit. J'ai peur que Assassin's Creed japonais, autrement appelé Assassin's Creed Red, hein, bien sûr, finisse par sortir après tous les open world jap de ses concurrents et que ça fasse comme une Skull and Bones. Alors, c'est une remarque intéressante. Effectivement, il semblerait que ce soit le cas. Assassin's Creed Red sortira après tous ses concurrents. Parce que je crois que maintenant c'est bon, les concurrents sont sortis. Alors il sortira avant Ghost of Tsushima 2, mais c'est trop tard. Ça n'en reste pas moins que je suis pas sûr que ça puisse faire une Skull and Bones, puisqu'une Skull and Bones, le Skull and Bones est mauvais parce que le développement s'est mal passé. Le développement ça a recommencé 1000 fois, qu'ils ont balancé ça dans une petite équipe, dans un studio asiatique où ils n'étaient pas nombreux. Donc forcément on est arrivé avec un jeu qui était faible, très faible. Assassin's Creed Red est développé par les plus gros studios d'Ubisoft depuis des années avec un méga budget. Le développement se passe bien, donc Assassin's Creed Red sera un Assassin's Creed réussi. Par contre, effectivement, est-ce qu'il ne va pas s'offrir d'un petit peu de lassitude, de répétitivité, parce que les gens ont déjà fait tous les jeux japonais. Peut-être, c'est possible. Ça ne reste pas moins que ce sera très probablement un bon jeu quand même. Rise of the Ronin est-il plus loin à finir que Final Fantasy VII Rebirth ? Non, c'est à peu près un tiers. Si on prend en compte que c'est le platine dont tu parles, il faudra environ 150 heures pour le platine de Final Fantasy VII Rebirth et seulement 50 heures pour Rise of the Ronin. C'est un beaucoup plus petit jeu. Même s'il est en open world, la quasi-totalité de l'open world n'est pas liée à l'histoire. C'est surtout de l'objectif secondaire. Graphiquement, ça tournerait sur PS4. Oui. Sans aucun doute, et d'ailleurs ils auraient presque sans doute pu le sortir sur PS4, c'est bizarre.
T'as pas mis de bonnet à ton perso. J'ai mis un super panier. C'est quand même mille fois mieux. Des nouvelles pour Silent Hill? Non, si ce n'est que... il faudra être patient. Hein, pas de nouvelles pour ce Silent Hill. On espère en avoir plus au Summer Game Fest, hein, à mon avis, mais pas avant. Hein. À mon avis, ouais, ça sent pas très très bon. Hein. J'espère qu'ils vont bosser. Hein. Pour ceux qui demandent si le jeu est bien, le jeu est bien. Il a des défauts, il a des qualités. Il faut juste savoir si c'est un style qui vous plaît. Et si ça vous plaît, vous pouvez y aller. Il faut juste être attentif aux points faibles qu'on a mentionnés. Et ça devrait vous plaire à quand même une grande majorité si vous aimez le style. Et pareil pour ceux qui n'étaient pas là au début du live. Donc là, on fait un peu un truc répétitif. Mais un peu plus tard dans le live, on lancera une mission en mode de difficulté maximale. Pardon. Parce qu'il y a un seul trophée qui est lié à la difficulté. C'est pas de faire tout le jeu. Vous pouvez faire tout le jeu en facile. Et après, vous pouvez relancer les missions. Et il y a une mission que vous avez besoin de relancer dans le mode de difficulté maximale. Qui, je crois, est un peu difficile. Cependant, on va relancer la première mission du jeu qui est beaucoup plus accessible que toutes les autres. Donc ça devrait bien se passer normalement. Normalement, on verra. Je viens juste d'arriver, je voulais te demander, vas-tu faire un guide sur Dragon Dogma? Et on va refaire un petit point sur Dragon Dogma. Alors vous l'avez compris, Dragon Dogma est sorti en même temps que Rise of the Ronin. J'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube pour savoir quel était le jeu le plus attendu entre les deux. C'est Rise of the Ronin qui est arrivé en tête, donc très logiquement, je commence par Rise of the Ronin. Dragon Dogma, on va pas se mentir, pour être tout à fait honnête, ne me hype pas, hein, je vais pas vous mentir. Je n'ai absolument pas très envie d'y aller, mais je l'ai, les développeurs m'ont envoyé. Je vais le lancer, je vais regarder les trophées. Et en fonction de ce que ça donne et de ce qu'il y a besoin de faire, on se posera la question de s'il y aura besoin d'un guide ou quoi que ce soit. Pour l'instant, j'en sais rien, j'ai même pas regardé les trophées. J'ai beaucoup de choses à faire, il y a aussi Final Fantasy VII que je n'ai pas terminé et que j'aimerais bien terminer. Donc la question se posera quand j'aurai terminé Rise of the Ronin. Je vais déjà avoir toute la semaine entière là à devoir faire ce jeu. Un peu moins, j'aurai fini avant la fin de la semaine normalement. Et du coup, on verra. Vas-tu faire Suicide Squad ou il est trop tard? C'est trop tard. Pour rappel, dès qu'un jeu n'est pas fait, je ne reviens pas dessus. Parce que pareil, ça enchaîne, il y a toujours des choses à faire en plus, etc. Donc si je décide de zapper un jeu, je n'y reviens pas. Et Suicide Squad, je suis bien sûr totalement en accord avec moi-même, avec le fait de l'avoir zappé. Et je pense que c'était un très bon choix. Et j'espère que la majorité ont fait de même. Hein. Vas-tu faire Stellar Blade? Ouais, Stellar Blade qui sort le 26 avril. Et j'ai pensé, je galère toujours à me rappeler des dates de sortie des jeux. Je me suis mis en face de mon bureau un petit tableau blanc et j'ai noté les dates de sortie. Donc prochain jeu, c'est Stellar Blade. Enfin, prochain jeu après tout ce qu'il y a déjà maintenant. Hein. Alors, ben, on est bien d'accord, une fois que le mois d'avril est passé, ben, bref, tout ça. Stellar Blade le 26 avril, ce sera prévu sur la chaîne. Oui, c'est dans les plans. Ensuite, plus tard, le 21 mai, on a Hellblade 2. Il n'y a pas grand-chose hein, maintenant. Hein. Après... il nous faudrait des dates quand même, hein. Ça virait de remplir le programme, hein. Et après le Blade 2, il n'y a plus rien du tout, jusqu'au 20 août où c'est Black Pit Wukong. Alors qu'est-ce qu'on va faire en juin? On va voir, on réfléchira. En parlant d'avril, est-ce que tu vas faire une vidéo de sortie du jeu d'avril? Ouais, j'attends de finir Rise of the Ronin, là, parce que c'est la priorité absolue et je la fais, ouais. Ouais, mais comme toujours, il y aura des vidéos sur les sorties du mois d'avril. Même si c'est un mois léger, il y a toujours des plus petits jeux à aller chercher à gauche à droite. Hop. Est-ce qu'il y a des trophées coop sur les Nioh? C'est une très bonne question, je me rappelle plus. Moi qui ai fait Nioh 2 uniquement, j'ai pas fait le 1. Est-ce qu'il y avait des trophées coop à faire sur Nioh 2? C'est une bonne question, mais je suis pas certain. Il y en a peut-être qui sauraient nous dire, mais j'ai pas le souvenir. En juin, tu as le DLC d'Elden Ring. Alors, le problème de ce DLC, c'est que je n'ai pas fait le jeu principal. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais t'as le temps de le rattraper. Pas tant que ça, hein. Il est fort peu probable que le DLC d'Elden Ring soit couvert sur la chaîne, malheureusement. Tu as vu que GTA 6 pourrait être reporté à 2026. J'ai vu passer ça. Alors, bien sûr, ce n'est absolument pas fiable ni quoi que ce soit.
Voilà, de toute façon, on attend. Mais effectivement, il s'avère que au vu du développement, bien sûr, bien plus long que prévu, comme toujours, GTA 6 pourrait arriver soit fin 2025, soit pourrait, si vraiment il y a besoin, être reporté en 2026. C'est uniquement s'il y a besoin. Ça se trouve, il n'y aura pas besoin et on l'aura bien pour 2025. On aura la confirmation lors du trailer numéro 2, quand arrivera le trailer numéro 2, en fin d'année. En fin d'année, je pense que je suis plutôt bon sur le timing. Tout comme j'avais été plutôt pas trop mauvais sur le trailer de GTA 6, le premier trailer que j'avais annoncé depuis très longtemps au Game Awards, et effectivement ça a été le cas, et bien de la même façon, je pense que le deuxième trailer de GTA 6 arrivera à la fin d'année 2024, et pas avant. Et durant ce deuxième trailer, on aura très probablement une date définitive. Allez, on y va ou pas là? Bravo le cheval. Ah non, allez, allez, ouais. Hop. J'ai précommandé l'édition premium, mais je n'ai pas reçu les bonus de précommande. Tu sais, on peut venir le problème. Non, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée. Il doit y avoir un endroit où tu peux les réclamer quelque part. Hein. C'est juste que c'est peut-être bien caché. Regarde, cherche sur Google, hein, tu devrais trouver. Hein. Ce serait énorme si Ghost of Tsushima était crossplay. Comme ça, je peux m'y remettre sur PS5 avec des potes qui vont s'y mettre sur PC. Ah, tu veux parler du multijoueur de Ghost of Tsushima? C'est de ça dont tu veux parler, n'est-ce pas? Quelle drôle d'idée de jouer au multijoueur d'un jeu aussi bien. Mais Ouais. Très probablement. Sekiro était plus beau. J'ai pas fait Sekiro. J'ai l'impression que ça se rapproche un peu quand même. Hein, en termes de texture, en termes d'esthétique. En fin d'année ou alors durant le Summer Game Fest. Aucune chance. Non, non, ce sera en fin d'année 100% le trailer de GTA 6. Numéro 2, trailer numéro 2. Ce sera pas au Summer Game Fest. Et Sekiro était-il plus beau que Ghost of Tsushima? Oh que non! Non, non, mais Ghost of Tsushima, c'est dans le top des jeux les plus magnifiques que vous pouvez faire ces dernières années, c'est tout. Alors c'est un style particulier, mais justement, t'as une recherche esthétique, tu vois. C'est pas comme tous les jeux Unreal Engine 5 qui se ressemblent, qui brillent, etc., avec des textures HD. Il y a une vraie recherche esthétique dans Ghost of Tsushima. Et déjà, c'est ça, c'est génial. Comment ça change? Tu découvres des trucs incroyables. Et en plus de ça, c'est magnifique. C'est fabuleux. Franchement, des dernières claques graphiques que j'ai eues, il y a eu Horizon Forbidden West, qui franchement est incroyable, sur les détails et tout. Et Ghost of Tsushima. Aïe, j'ai pris tarif là. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est des soins. Hop. On y retourne. Alors attends, lui on peut le descendre de ton cheval, voilà, hop. On n'est pas bon sur les esquives, là on n'est pas bon. Tac. Ok. Alors, voyons voir à combien on est pour se donner une petite idée. Peut-être que j'essaierai de les compter après. Alors, hop. Donc, c'est vachement plus loin. Il est ici. Je suis à 64%. Il en faut 50. 64% de 50. Petite calculette. Ça fait 32. 32. Il m'en manque encore 18. Donc, très bien. Et la discrétion. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, j'avais complètement zappé qu'il fallait qu'on fasse des assassinats. On va essayer de les faire de temps en temps, mais je crois pas que ce soit très compatible en fait avec ce que l'on fait actuellement. Parce que ce que l'on fait actuellement, on est toujours au début directement dans la confrontation. Et le problème, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on arrive discrètement derrière. Donc, soit on se barre et on perd du temps pour ensuite revenir derrière et c'est chiant. Soit je décide de le faire plus tard en farm. Ce sera peut-être plus intéressant comme ça.
Tu as fait le platine de Ghost of Tsushima? Oui, le guide est disponible. Est-il difficile? Prend-il du temps? Non, ni l'un ni l'autre. Il n'est pas très long. Il n'est pas difficile. Déjà, le jeu n'est pas difficile. Et le platine ne demande vraiment pas grand-chose. Seulement une partie des collectibles. Et les collectibles sont très faciles à trouver. Alors, j'ai fait des vidéos d'aide. Même avec rien que le jeu de base, tu peux trouver une grande partie des choses. Je crois que c'est un des platines avec les taux de réussite, enfin de réussite d'obtention assez élevés. Je crois que c'est plus de 10% d'obtention sur le trophée platine. C'est beaucoup, 10% pour un platine. Donc ça en fait un jeu particulièrement facile, même plus facile qu'un Assassin's Creed, pour te donner une idée. Sans aucun doute. Hop. Eh bien, on va continuer, on va peut-être se déplacer un peu. Hop. Le Plectel Requiem est très beau aussi. Ouais, tout à fait, il y a un beau petit style sympa. C'est un peu moins impressionnant, mais forcément, c'est le style qui vaut ça. Mais ouais, plutôt pas mal. Je n'ai pas vu le test de Rise of the Ronin sur ton site, tu mettrais quelle note? Effectivement, je n'ai pas fait de test pour Rise of the Ronin, parce que je n'ai pas eu le jeu suffisamment en avance pour faire un test en même temps que tout le monde. Donc je n'ai pas fait de test complet. Je pense que ça vaut un bon 15-16. Hein. Peut-être plus. Peut-être plus 15, parce que j'aurais envie quand même de pénaliser l'aspect graphique. Même si c'est pas un défaut terrible, mais je pense que c'est quand même important de montrer que sortir un jeu un peu daté, il faut que ce soit pénalisé. Donc 15 ou 16, 15 et demi on va dire. Et 15 et demi ça reste une bonne note je pense. Je crois que... faudrait que je regarde parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais sur Metacritic, donc il fait la moyenne des notes données par la presse. Il a dû obtenir entre 70 et 80, ce qui ferait pareil. Ouais, à peu près autour de 15 et quelques, donc ça va. La difficulté du platine, alors pour l'instant je l'ai mis à 4 parce que ça me paraît particulièrement accessible, mais j'ai pas encore fait la mission en mode ultra difficile. D'ailleurs on va peut-être la faire dans pas très longtemps histoire de changer un petit peu, et on reprendra cet objectif après. Mais si la mission est très très dure et que je vois que ça passe pas, que c'est trop difficile, peut-être que je monterai d'un point. Mais pour l'instant je pars sur un 4 sur 10 parce que vraiment durant toute ma partie je n'ai jamais été bloqué une seule fois face à un boss trop dur. Il m'a étonné hein, parce que forcément moi sur un jeu comme ça, il y en a une là. Sur un jeu comme ça, je m'y attendais, je m'attendais à cracher du sang. Et pas tant que ça. Vous là, vous m'avez tout l'air de savoir vous défendre. Oui, monsieur. Essayez-vous de mettre vos talents à l'épreuve. C'est ça. Allez, montrez ce que vous. Allez, on se tape. Et on se tape. Contre eux là-bas. Ah oh, oh, aïe, aïe, aïe. On peut parer les balles, attends, on peut parer les balles. Juste qu'il faut avoir le timing. Ouais, c'est bon, hop. Tac. Prendre la bonne posture, ok. Tac. Hop. Ok, tu as choisi quelle difficulté toi? La plus simple, on va pas se mentir, j'ai pas cherché le challenge pour chercher le challenge. Oh non, j'ai fait ce qu'on me proposait de faire au plus simple, c'est-à-dire le mode le plus facile. Et franchement c'était facile, hein. Vous pouvez vraiment vous permettre l'erreur, etc. Par comparaison, hein, j'ai fait Nioh 2, j'ai platiné Nioh 2 quand même. Et vraiment, Nioh 2, il n'y avait pas le droit à l'erreur. Hein. Donc ça, c'est délicieux, c'est tranquille celui-ci, tranquille. Continuons, j'ai essayé de les compter au fur et à mesure, ces petits trucs, comme ça on saura à peu près où on en est. Hop. Ah ouais, c'est Star Wars. D'ailleurs, Star Wars d'Ubisoft, ce serait bien qu'on ait une date aussi. Hein. Je sais pas si ça va sortir cette année. Ou si ça va être repoussé en 2025. Star Wars Outlaws. Ça serait bien. Ça serait bien que ce soit bien. Et ce serait bien que ça arrive cette année. Parce que y a aucun jeu cette année. Il faut des dates, hein, sans déconner. Alors on a bien compris que les dates maintenant étaient données très tardivement.
Mais là, rendez-vous compte, après le 20 août, on n'a aucune date. D'habitude, on a au moins un gros jeu où on sait que ça va être sûr en fin d'année. Là, il n'y a aucune certitude. T'es fou. Alors après, c'est pas parce qu'il n'y a pas de date qu'il n'y a aucun jeu qui va sortir. C'est juste que pour l'instant, ils n'ont pas donné de date. Et que par contre, ils vont sans doute tous y aller en même temps. Alors quand ça va être la moitié de l'année, là, quand ça va être juin, là, ça va envoyer du steak. Hein. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la fête? Je peux venir à la fête? Tac. Bah qu'est-ce que tu fais là-haut toi? Hop, au revoir monsieur. Les armes à feu sont hyper efficaces dans le jeu. Qui est venu me rejoindre toi? Hop là. Tu peux blesser des alliés. Bah écoute, je ne crois pas, non. Maintenant que je connais votre force, pourrais-je vous demander un autre service? Non. Désolé. Je m'en occuperai plus tard. C'est une mission secondaire, il faut que je les enregistre pour faire un guide. Je ne crois pas qu'on puisse blesser nos alliés. En tout cas, dans le mode facile, j'ai pas eu l'impression d'avoir blessé mes alliés, donc je ne pense pas que ce soit faisable. Ce qui peut paraître surprenant, encore une fois, pour ce genre de jeu qui généralement... généralement abuse de toutes les mécaniques fourbes et difficiles. Je crois que celui-là n'en fait pas partie. Je ne crois pas qu'on puisse tuer de PNJ non plus. Donc bon. Stalker 2 le 5 septembre. Non Bertrand. Non. Tu ne peux quand même pas penser que Stalker 2 va finir par sortir. Bien sûr que non. Ce ne sera pas le 5 septembre. Ce ne sera pas non plus le 12 octobre. Ce ne sera pas non plus en 2024. Non, non, mais il finira par arriver Stalker 2, effectivement, mais on ne sait pas trop quand. Stalker 2, c'est quoi? Stalker 2, c'est un énorme jeu développé depuis des années qui est une exclusivité Xbox qui est en rapport avec Tchernobyl. Il y a un jeu à la fois de survie, de FPS, si tu vois le jeu Metro, Metro 2033, Metro Exodus, etc. C'est le même genre, c'est le même style, Stalker, et ça fait des années qu'il est repoussé. Donc, hein, on verra bien. Mais contrairement aux autres jeux qui sont repoussés vers l'infini et qui n'ont plus de date, par exemple, comme ça a été le cas avec Skull and Bones, comme ça a été le cas, et encore le cas avec Beyond Good and Evil de la part d'Ubisoft, ces jeux ont été repoussés indéfiniment mais sans date. Jusqu'au jour où ils ont réapparu et ils ont fait c'est bon on arrive. Stalker 2 ils ont fait l'erreur eux, et bah à chaque fois donner une date. Puis de la repousser, puis de la repousser, puis de la repousser, puis de la repousser. Je crois que ça doit être au moins 5 ou 6ème report. Donc les gens n'y croient plus. Les gens n'y croient plus. Et Stalker 2 arrivera quand il voudra bien sortir. Merci. On verra. T'as kiffé les chasses, Nier? Les 100 chats à récupérer? Bah écoute, vu que j'ai l'habitude des collectibles, j'ai pas été terriblement embêté par ça, mais. Mais bon, il y a plus intéressant. Hein. Encore une embuscade? Mais pas tout court quand même! Un peu d'originalité dans ce monde! Hop, au revoir, monsieur. Elle est cool son arme, lui, avec une espèce de corne. Je sais pas si on peut en avoir une ou pas. Peut-être, hop. Voilà qui est fait. Hop, bon allez, on se dit à 21h, on va... à 21h, on va tenter peut-être la mission en mode difficile pour voir ce que ça donne. Et on verra bien. Vas-tu faire Sea of Thieves sur PS5? Je ne pense pas. Sea of Thieves n'étant pas un jeu solo, je sais pas ce que j'irai faire dessus, j'avoue. Mais peut-être que je me trompe encore une fois, mais j'ai vraiment l'impression que c'est surtout un jeu qu'il faut faire entre potes. Donc je ne sais pas. Et je sais pas, on a une date pour ce Sea of Thieves PS5? Hop.
excusez-moi, j'ai pas le temps. Hop là, le 30 avril. Ah, un jeu qui arrive en avril. Ouais, mais juste après, c'est l'Arblade. Ouais, mais c'est mort. La question ne se pose pas. Même si j'ai difficilement en tête la durée de Stellar Blade, ça sera sans doute pas un jeu de 5-6 heures, ce sera très probablement un peu plus. Donc bon. Faudra que je me réhabitue pour la mission en mode difficile là, parce que j'ai passé tout mon jeu à... Bon, prendre en compte les parades, mais pas trop. Là, ça va être compliqué. Parce qu'en plus, le fameux mode dont je vous parle, le mode le plus difficile, c'est un mode encore plus difficile que le mode difficile de base. C'est un mode que vous débloquez après la fin du jeu. Ça s'appelle le mode nuit noire. Et c'est encore plus dur. Donc, on va voir. L'avantage de la première mission du jeu, c'est que c'est une mission un peu tutorielle. Donc plus simple. Et qui n'a pas beaucoup d'affrontements. Donc normalement, en relançant cette mission, ça devrait plutôt bien se passer. Stellar Blade, 25 heures pour la quête principale, 50 heures pour le 100%. Ah ouais, les développeurs ont parlé de ça. Très bien, bon bah c'est à peu près de la durée de vie de Rise of the Ronin, pardon. Donc ça va, ça ira. Ça ira, mais ça permettra pas de faire du Sea of Thieves quand même. Je devrais peut-être pas tracer à travers la campagne, parce que vu que je dois chercher des missions avec des gens, ce serait sans doute bien plus logique de ma part de rester sur les routes. Pas trop répétitif les combats. Non, moins répétitif que dans un jeu classique, parce que bah, tu dois être vachement plus concentré. Ils ont mis un système de posture également, donc où tu dois changer un peu tout le temps comment tu veux te mettre, etc. Donc finalement, c'est beaucoup moins répétitif que dans un Assassin's Creed ou que dans un Ghost of Tsushima, encore une fois, pour faire la comparaison. Mais bon, comme dans tous les jeux, normalement, une fois que t'as compris le principe, t'as compris le principe. Mais ça va. Toi qui aimes bien la compilation, as-tu déjà tenté les Yakuza? Non, jamais. Et j'avoue que, comme ça, ça ne me donne absolument pas envie. Souvent, on me pose la question de est-ce que je compte faire les prochains Yakuza, etc. Et à chaque fois, je pose la même question. Je dis, comme ça, ça me donne pas envie. Et donc, je me dis, joueur de Yakuza, vous, dites-moi, donnez-moi envie de jouer à Yakuza. Et généralement... Et c'est un peu difficile de trouver des vrais des arguments. Et donc dans un stream comme ça, bof, j'ai un peu l'impression que ça fait jeu des années 2012. On fait souvent la même chose. Donc comme ça, ça ne donne pas trop envie. Mais peut-être que c'est des jeux très bien. Sinon, le platine ce soir, dans les prochaines semaines. Dimanche prochain, ce sera le platine, c'est 100% sûr. Donc ouais. Parce que j'aurais clairement fait tout ce que j'ai à faire. Et je sais pas si on y aura peut-être même deux platines dans un seul live. Parce que il va pas me rester grand chose hein, pour le platine de Rise of the Ronin. Donc le mieux ce serait d'arriver à caler un deuxième truc durant le live. Mais malheureusement, ça va être chaud. Hein. Il fallait que tu fasses notre affaire. Maintenant, tu vas payer. Qui es-tu, toi? Son ami? Hop. Tac. J'avoue que les 100% des mini-jeux, c'est infâme. Sur les Yakuza. Tac. Oui, par exemple, encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me vantent les mérites de Yakuza. Et c'est comme ça à chaque fois. Donc finalement, voilà pourquoi je ne joue pas à Yakuza. Qu'as-tu pensé de la MotoGP? Eh ben figure-toi que j'ai complètement zappé de la regarder. J'étais à fond sur les collectifs de Rise of the Ronin. Et j'ai levé la tête et il était passé le Grand Prix. Donc j'en ai pas pensé grand-chose. Parce que j'étais en train de bosser. Malheureusement. Mais j'espère que c'était bien. Bam! Qu'est-ce que tu penses du prix par rapport au jeu? Si tu l'achètes à 80 balles à Micromania, c'est trop.
Si tu le trouves pas trop cher à 50 balles, ça va. C'est bien. Ça vaut le coup en termes de durée, en termes de qualité. Si t'es pas trop exigeant, hein, faut pas être trop exigeant avec Rise of the Ronin. Si t'es quelqu'un de plutôt normal sur les attentes, tu seras pas déçu. Voilà, à condition d'aimer le style un peu exigeant sur les parades, à condition d'aimer le Japon, c'est bien, ça aide. Et de ne pas avoir envie d'avoir un jeu magnifique, puisque ce n'est pas le projet, vous vous en rendez compte. Tu savais qu'il y avait le ramassage automatique dans les paramètres. Ouais, j'ai fouillé, j'ai vu passer ça. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être activé, c'est vrai, je ne l'ai pas activé, j'avoue. Mais effectivement, ça peut aider pour récupérer tout directement, tout à fait. C'est vers quoi les zones rouges sur la carte? Ça veut dire qu'il y a un trouble à l'ordre public, il faut que tu ailles déglinguer des gens. Globalement. Il faut que tu ailles remettre de l'ordre. Ce n'est pas nécessaire pour le 100%. Ni pour les trophées. Ah. Là. Ces petites bannières, donc, elles servent à plein de choses importantes. Elles servent à faire des points de téléportation rapides, c'est cool. Elles servent à vous soigner. Elles servent aussi à transformer vos points de compétences. Et c'est hyper important. Dans le jeu, il y a, comme dans les Souls-like, un système de perte de capacité de compétences si vous mourrez, mais pas que, il y a aussi un système normal où vous gagnez de l'expérience, même quand vous mourrez, vous ne perdez pas ça, donc vous pouvez quand même progresser sans aucun souci, même si vous mourrez souvent, c'est juste que vous allez rater certains points assez intéressants, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo astuce qui est sortie aujourd'hui, de la différence entre XP et Karma, allez la voir si vous jouez à Rise of the Ronin, mais du coup, faut bien penser à prendre et à faire ces petites bannières. Et effectivement, le tirage est dès 21h. On va commencer par faire un petit jingle dans un premier temps. Et on enchaîne. 20h-23h, tous les dimanches, avec Snir. Oh, donc c'est parti, vous pouvez participer au premier tirage au sort pour gagner 15 points café, les points de fidélité de la chaîne pour participer. Point d'exclamation tasse dans le chat, vous le faites une seule fois, vous êtes enregistré dans la liste et c'est tiré au sort. Quelqu'un gagnera dans quelques instants. Du coup, pour changer un petit peu de cette première heure de live très répétitive, je suis d'accord avec vous, mais c'est le jeu qui veut ça, on va changer un peu et on va se diriger vers du challenge. On va se diriger vers la mission que l'on doit relancer en mode difficile. On va voir si c'est dur ou pas. C'est ce qui va permettre de voir si ma note de 4 sur 10 changera sur le guide des trophées ou si on restera sur un jeu à 4 sur 10 pour la difficulté. On va voir ça ensemble. Baptiste, tu as posé une question avant. Tu penses pas qu'avec la sortie du DLC Elden Ring, ce serait le bon moment pour faire un guide du jeu? Non. Pourquoi est-ce que je ne fais pas les guides après la sortie? C'est parce que tout est déjà fait sur Internet. Tout. Elden Ring, tout est déjà fait. Il y a 300 guides différents, 10 milliards de vidéos sur Elden Ring. Si je prends un mois de ma vie pour faire Elden Ring, je vais pas gagner quoi que ce soit, perdre du temps, pas pouvoir manger à la fin du mois. Il est impossible de faire un guide sur Elden Ring, ça ne rentre pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans mon intérêt, pour quoi que ce soit, ça ne trouvera pas son public, c'est trop tard, tout a déjà été fait, c'est pareil pour tous les jeux. Il aurait été intéressant de faire un guide du DLC, mais encore une fois, il faudrait que je fasse le jeu. Donc non, ça ne trouvera pas son public, tout a déjà été fait, je ne vais pas rajouter des choses en plus. Quoi. Il y a combien de fins dans le jeu? Il y a deux gros axes différents. Il y a deux gros axes, j'ai pas fait toutes les fins, donc il y en a peut-être quelques-unes qui changent un peu sur certains points, mais en gros, il y a vraiment deux côtés très très différents. Donc je vous laisse participer, point d'exclamation, tasse. Je vous rappelle également, petit truc important, il n'y a pas d'indice pour le personnage secret, tout nouveau personnage secret, qui n'est pas difficile, c'est juste qu'il faut le trouver, et on a des indices pour le trouver dès qu'on atteint les 200 pouces bleus, donc si jamais vous n'avez toujours pas mis de pouces bleus, c'est le moment, n'hésitez pas. Donc, on rentre dans notre maison. Vous avez un petit point de base, une petite base dans le jeu qui s'appelle la Nagaya, qui est votre maison. Et cette Nagaya vous permet de faire plein de choses. Ça vous permet de forger des choses, de vous améliorer. Vous avez votre réserve également. Et vous avez aussi le testament spirituel. Le testament spirituel vous permet de changer de zone, notamment, puisqu'il y a trois zones dans le jeu qui sont toujours liées à une grande ville. Donc, on a Yokohama, Edo et Kyoto. Donc, oui, les vraies villes du Japon, puisque c'est un vrai Japon que l'on visite. Et ces trois zones ne sont pas connectées entre elles. C'est-à-dire qu'il y a un open world, un deuxième open world et un troisième open world, et vous pouvez très facilement changer de zone à tout moment depuis votre maison. Vous pouvez également relancer les missions. Toutes les missions du jeu peuvent être relancées. Vous pouvez tout revoir, tout refaire, changer les choix, etc. Il n'y a pas de souci.
Et notamment, et ben c'est notre but maintenant, ça va être de relancer la première mission du jeu qui est ici, et en mode nuit noire. Le mode nuit noire, on va appuyer sur le joystick, tac, c'est le mode le plus difficile du jeu. Voilà. J'ai jamais tenté, donc je ne sais pas ce que ça passe, parce que je ne sais pas quel... Je sais pas à quel moment c'est dur, je sais pas, on verra bien. Attends, est-ce qu'il faudrait que je relance directement la région? Peut-être qu'il faut que je relance directement la région, ouais. C'est peut-être ça. Noir, hop. Ouais, je pense qu'il faut relancer directement la région. Je vais faire une sauvegarde avant de faire des bêtises, attendez. Au revoir. On va mettre une sauvegarde dans un côté, dans un petit coin, et on verra bien. Tu dis qu'avec tes vidéos et tes guides, tu bosses en plus à côté. Je ne pourrais pas bosser à côté, hein, puisque vous rendez bien compte, ça prend 7 jours sur 7 de faire des vidéos. Là, aujourd'hui, j'étais en train de faire des vidéos sur Rise of the Ronin. On est dimanche. Je travaille tous les dimanches de ma vie. Compris. Tous. Je ne prends jamais de vacances. Je ne peux pas bosser. Je me lève tôt le matin. Je me couche tard le soir. Je ne peux pas bosser à côté. C'est impossible. Impossible. Il n'y a aucune heure qui ne passe pas dans le travail. Je répète, hein, je ne joue pas pour moi à côté. Si je suis sur la console, c'est que je travaille, je fais des vidéos. Si je ne joue pas, soit je dors, soit je mange. C'est tout. Donc non, je ne peux pas bosser à côté. Et s'il y en a qui rêveraient d'être youtubeur, attention, c'est peut-être pas le meilleur trajet. Je vous dis, en termes de temps de travail, en termes de réussite, etc., c'est peut-être pas le meilleur choix que vous pouvez faire de vous diriger là-dessus. Heureusement, aujourd'hui, puisque j'ai arrêté de faire des petits jeux, et c'est uniquement pour ça que je peux en vivre décemment. Si comme à l'époque, il y a quelques années, je continuais de faire des petits jeux ou je continuais de faire des jeux qui n'intéressent personne, je ne pourrais pas en vivre. Ce n'est pas possible. Par exemple, si je faisais du Suicide Squad, je ne pourrais pas vivre. Ça serait sur mon temps libre, je pourrais le faire de côté, mais ce n'est impossible de vivre avec un jeu comme Suicide Squad, par exemple. Pas possible. Refaire un guide sur Elden Ring, je ne peux pas en vivre non plus. C'est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois faire des choix, je dois me concentrer uniquement sur des gros jeux. Je sais qu'il y en a plein qui aimeraient que je continue à faire des vidéos sur des plus petits jeux, etc. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Avant, quand j'étais encore étudiant, que je recevais des aides de la CAF, c'était possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Voilà. Mais j'arrive quand même aujourd'hui à en vivre et j'en suis très content. Mais forcément, ça devait passer par des choix et des sélections de contenu. Voilà. Mais du coup, je ne pourrais pas bosser à côté. Ce n'est absolument pas possible. Il n'y a pas une seule heure. Hop. Petite sauvegarde. Hop. Voilà. Tu es allé où pour rejouer ta mission? Car je ne sais pas comment on fait. Alors, dans toutes les zones du jeu, tu as une petite maison qui s'appelle la Nagaya, qui est ici. Il faut avoir terminé le jeu, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le Nagaya, ou peut-être que tu peux relancer les missions dès que tu as fini un chapitre, tu peux relancer le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, bref. En tout cas, quand tu l'auras débloqué, cette petite maison, la Nagaya, tu la vois facilement sur la carte, hein, c'est un icône unique. Tu rentres dedans et tu as dedans le testament spirituel. Si tu n'as pas dans ta maison le testament spirituel, il faut que tu continues le jeu. Et après, tu pourras relancer toutes les missions et changer de zone. Voilà. Du coup, nuit noire. Donc je pense qu'il faut que je reste à Yokohama directement, hein, ça va sans doute relancer tout le jeu, j'espère, on verra bien. On va tirer au sort le gagnant et après on se concentre et on va voir ce qu'on peut faire. Tu as déjà fini le jeu? Oui, je l'ai fini direct, hein. je l'ai claqué, je l'ai eu un jour en avance, je l'ai eu le 21, le 22 au soir il était terminé. Quand je vous dis que je ne bosse pas à côté de mes vidéos, c'est parce que vraiment... Jusqu'à 3h du match, je travaille. C'est non-stop. Non-stop. Et d'ailleurs, ça a sans doute été le plus gros problème de ce pourquoi je n'ai pas réussi à tenir une vie de couple longtemps. C'est parce que souvent, ça finit par poser problème. Mais c'est comme ça, c'est des choix. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on fait des sacrifices et on a ce qu'on veut. Soit on ne fait pas de sacrifices, on n'a pas ce qu'on veut. Moi, je voulais réussir sur YouTube. Et bah, du coup, j'ai dit, plus d'amis, on s'en bat les couilles, on ne voit pas les amis. La famille, on la voit deux fois par an. Et on travaille 7 jours sur 7. Et bah... Vous savez quoi? Il s'avère qu'au bout d'un moment, ça paye. Mais bah, c'est des sacrifices, il faut faire le choix. C'est parti, gagnant de 21h, premier gagnant de la soirée. Il s'agira de Bête. Bête, bravo à toi, la régularité qui paye, ça fait longtemps que je te vois. Bravo à toi, 15 points capés supplémentaires. Les points capés des 3 précédentes semaines. Attends, je mets un jingle et après, je dis ma bêtise. 20h-23h, tous les dimanches, avec Snir. Olé! Olé, tous les dimanches de 20h à 23h, la semaine prochaine, on débloque le platine de Rise of the Ronin minimum. Je disais, les points cafés des 3 précédentes semaines, vous ne les avez peut-être pas vus crédités sur votre compte pour les gagnants, c'est normal. Ils sont toujours notés. J'ai 3 petits papiers, il y a un par semaine, 1, 2 et 3. Ils sont précieusement gardés, ici, sur le bureau. Promis, la semaine prochaine, ils sont crédités.
Voilà, c'est une promesse. Bref, c'est normal que vous ne les avez pas encore. Mais c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt. Alors attends, comment est-ce qu'on fait ? J'ai relancé un truc en mode nuit noire, je suis en mode nuit noire, d'accord. Donc là, c'est comme si j'avais relancé l'open world en mode nuit noire. C'est marqué nuit noire en gros, très bien. Donc là, du coup, si je reviens dans ma maison, je peux relancer l'émission, mais en mode nuit noire, c'est ça ? Bienvenue chez vous. Merci. Oui, il semblerait. Mission nuit noire. Oui, chapitre 1. Ok, très bien. Bon. Eh ben, on va tenter. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas eu les points du dernier perso secret. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est ce que je dis, Julien. Julien, tu es bien noté là. J'ai bien changé Forrest Gump pour Julien. Suis-moi. J'arrive, Julien. Ça sera fait. Alors, c'est parti. On est donc dans le mode le plus difficile du jeu, le mode nuit noire, un mode que vous débloquez après la fin du jeu. Il y a juste un trophée qui vous demande de terminer une mission dans ce mode de difficulté. Alors, ceux qui se laisseront aller à la folie pourront faire l'entièreté du jeu dans ce mode-là. Ce n'est pas nécessaire, si jamais. C'est juste une mission que vous avez à faire et vous pouvez faire la première mission du jeu. Qui est surtout une mission avec un entraînement, un QTE, enfin pas un QTE, un tutoriel, pardon. Les poules, bonjour les poules, ça va les poules ? On peut pas tuer les poules, voilà, pour ceux qui se demandaient, j'ai testé, vous savez. Il va peut-être devoir remettre le compteur de mort. Peut-être. Peut-être. On va voir. On va voir. Du coup, le mode crépuscule s'additionne... Attends. Ok, les PV que j'ai perdus me donnent à peu près confiance. Je me dis que ça va. Aïe, aïe. Alors, bonne nouvelle, on garde les trucs qu'on a débloqués également dans le jeu normal. Par exemple, là, je peux mettre du feu sur mon épée et j'ai mes 10 points. De base, on n'a pas 10... Oula, aïe, aïe, aïe. De base, on n'a pas 10 points dans le jeu. Hein. Alors, également, le timing des parades est resserré. Et forcément, vu que je me suis habitué les 20 dernières heures de ma vie à faire des parades vachement élargies, il faut que je retrouve le timing. Les ennemis prennent beaucoup moins de dégâts également. Et ils en font un peu plus. Ça reste pour l'instant... C'est le premier ennemi, on va se calmer. Je veux dire, ça reste accessible. Attends. Il y a un boss qui arrive un peu plus loin, on va voir si ça reste accessible, mon pote. On va voir. Et du coup, la nuit, nuit noire, c'est au-dessus du crépuscule. Ouais, nuit noire, c'est au-dessus du crépuscule. C'est vraiment un mode encore plus haut qui se débloque seulement après la fin du jeu. Par contre, ça remplace la difficulté. C'est-à-dire que si t'es en mode facile et que tu débloques le mode nuit noire, ça remplace. C'est pas encore plus, c'est pas un coefficient de difficulté qui s'ajoute sur ton mode de base, tu vois. C'est juste un mode un peu, encore un peu plus difficile. Voilà, et Dylan qui est trop content de ce mode. Donc quand je parlais des gens qui allaient se laisser aller à la folie de se faire ce mode entièrement, Dylan fait très probablement partie, et ce n'est peut-être pas le seul, de ceux qui vont adorer faire ce mode de jeu entièrement. Et nous ne sommes pas faits tous pareils. C'est comme ça. Chauffons-nous, d'accord ? N'est-ce pas ? Bah, je te laisse frapper, moi je fais des esquives maintenant, je fais que ça. T'as pas envie ? Tu peux taper ? C'est moi qui tape en premier ? Je tape ? Tu tapes ? Allez ! Aïe, tu fais mal. Hein. Oh, je pense que le compteur de mort va pas tarder à monter. Hein. On va pas se mentir. Je vais essayer de me concentrer hein, pour pas passer non plus 10 ans dessus. Mais si tu veux pas attaquer Jean-Louis, Non, j'ai aucun timing, c'est terrible. Vraiment taper sur triangle juste avant que le coup touche en fait. Donc vraiment, faut être plutôt concentré. Parce que là, on est très très loin du timing du mode difficile. Hein. Alors pour ceux qui c'est quelqu'un qui se serait entraîné sur l'entièreté du jeu, je pense qu'il n'y a aucun souci. Mais étant donné que moi, mon jeu, je l'ai passé entièrement avec la parade facile, il y a juste un petit temps de réhabitude. Ok, c'est bon, c'est passé. Hop là. Par ici. Attends, je vais fouiller un peu parce que ça se trouve, je peux rechoper des soins quand même au fur et à mesure. Il y a plein de trucs qui changent dans ce mode nuit noire vu que je l'ai pas trop fait, voire pas du tout. Du coup, je sais pas, ça se trouve, il y a moins de points pour te redonner des soins.
Ça se trouve, il y a des ennemis en plus. Je sais pas du tout. Nous y sommes presque. Là, on va arriver vers le gros tuto au combat. Donc ça va peut-être poser un peu plus de problèmes, on va voir. On est lié peut-être pas. Alors si elle m'aide, mais faut pas trop compter non plus sur les alliés. Hein. C'est comme dans Call of Duty, c'est-à-dire que les alliés sont là, ils font des choses, mais si tu fais toi-même, c'est mieux. C'est moi qui l'emporterai cette... Contre-attaque, ouais, ouais. Ah, ils vont remettre les tutos, c'est rigolo ça. Ah, t'as fait une feinte. Dommage. Tac. Ils font acte de présence. Dans les missions principales, ils sont quand même pas trop inutiles en vrai. Sur certains boss, ils font plaisir. Surtout qu'en fait, le truc qui est bien avec tes alliés, c'est que tu peux les contrôler. Tu peux totalement abandonner ton perso principal et contrôler tes alliés. Donc vraiment, ils peuvent être intéressants. Notamment pour te réanimer, parce qu'en fait, quand tu meurs, tu n'es pas mort complètement. Vu que tu as des alliés, eh ben, ils peuvent te revenir te réanimer si tu as des soins de réanimation, hein, bien sûr. Donc ils servent surtout de seconde chance et tout, donc ils sont quand même vachement pratiques, clairement. J'ai baissé la garde. Même s'ils font pas beaucoup de dégâts. Dommage. Ouais, j'appuie trop tôt à chaque fois. Ok. Donc pour ça, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est normal, hein, c'est le tuto. Je connais tes techniques. Il va falloir faire mieux. J'aime bien bourriner, mais faut pas trop y aller non plus. Tac. Alors. Tu as fait des progrès. Bien, bon travail. À présent, vous allez m'affronter. Voilà, à présent les problèmes commencent. N'est-ce pas? Reste concentré. Elle fait déjà plus de dégâts, elle, ouais, elle est plus là pour rigoler. On n'a pas d'armes de lancer, ouais, c'est vrai que d'habitude j'ai des armes et tout, mais là ils nous ont bien entendu tout enlevé. Donc vraiment le but, hein, c'est de faire des parades bien comme il faut et d'épuiser l'adversaire. Quand il est épuisé, vous pouvez lui faire des coups critiques et c'est ce qui lui enlève le plus de vie en général. C'est pour ça des fois c'est intéressant, voilà, d'enchaîner les coups juste pour enlever la barre bleue plutôt que la barre blanche. Mais en faisant attention de ne pas s'épuiser non plus, parce que c'est après, quand vous êtes épuisé, que vous pouvez mourir parce que vous pouvez plus rien faire. J'ai utilisé bientôt la moitié de mes soins. Elle n'est pas la moitié de sa vie, ce qui généralement n'est pas un bon signe. La 2 sur la mamie, ouais, d'ailleurs vous pouvez voir, hein, mon allié effectivement elle est là, elle met des petits coups de temps en temps, mais bon, pas trop demander non plus. Aïe, où? Ah, je suis à terre, voyez. Oui. Donc par exemple là l'allié, cool, ça m'a mis une seconde chance, très pratique. Du coup j'ai pu enchaîner sur la deuxième et puis me sauver. Et je peux revenir sur mon perso principal à tout moment. Normalement, voilà comme ça, hop. C'est cool, hein, comme mécanique, c'est rare de pouvoir contrôler ses alliés comme ça. Elle fait des attaques de fourbe, en fait. Elle prépare son attaque, ce qui fait qu'à chaque fois, je crois qu'elle va faire une attaque et je pars au mauvais moment. Je peux encore réanimer? Oui, je peux encore réanimer, incroyable. Voilà. Le travail d'équipe est la clé de la réussite. Ah!
là, j'étais épuisé. Ah, attends, problème. Asnir, t'es 2 contre 1. Ouais, mais attends, l'expérience de la grand-mère, t'imagines ? On va pas sous-estimer la vieille, hein. Elle a de la ressource, hein. Un truc qui a peut-être manqué dans les combats de boss du jeu, c'est des phases. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de boss avec des phases différentes. C'est dommage. Bon, surtout pour ce genre de studio qui a l'habitude de faire des boss assez complexes. Là, j'ai pas vu beaucoup de boss ultra complexes. Ah, je suis épuisé, dommage. Ouh, j'ai plus de soins. Ah, MDR. Piqué. Ah si, je peux encore. Attends, c'est compliqué. On va pas faire d'erreur. Vas-y, viens, mamie. C'est le dernier soin. Je suis à 0 de soin, mais je crois que je peux encore me réanimer. Non, je peux plus me réanimer. Ok, donc je suis face à mamie, toute seule, là. On va se concentrer. Voilà. En plus, elle est bien épuisée. Hop, tiens, mamie. Non, là, j'ai fait n'importe quoi. Encore un coup et je crève, donc à mon avis ça va être compliqué. Ah, dommage. Malheureusement, la réanimation te fait utiliser un soin. Je crois pas, non. J'ai pas marqué, je crois que c'est des objets dédiés, hein, mais pas forcément des soins. Alors, j'ai dû louper tous les messages. L'épuisement, c'est la barre rouge. C'est la barre bleue qui devient rouge après. La barre qui était rouge, c'était sa vie aussi. Donc, faut faire attention de ne pas confondre. Voilà. Bon, on va y retourner, hein. La première mort. Effectivement, ouais. Bon, après, j'ai pas très bien joué. On va pas se mentir. Est-ce qu'il faut que je refasse tous les tutos direct avec elle? Ah, direct avec elle. Incroyable. C'est génial. J'ai raté beaucoup de parades. Encore une fois, c'est parce que j'ai plus le timing, puisque c'est un timing orienté vachement plus sur la difficulté et que je suis totalement déshabitué. C'est comme dans un jeu comme Gran Turismo, quand tu joues avec les aides à la conduite et que tu désactives les aides à la conduite, tu vois. C'est à peu près pareil. Tout d'un coup, t'as l'impression de plus conduire pareil. Bah, c'est un peu pareil avec mamie. Il faut juste que je me réhabitue au timing serré. Puis aussi, il faut analyser un peu les attaques parce que, en fonction des mouvements qu'elle fait, tu peux croire que c'est une attaque alors que c'est une feinte. Après, un truc que je fais pas aussi, c'est y a une garde, tu peux tenir ta garde et ça permet d'encaisser une partie des coups, même si tu rates ta parade en fait. Bon, ça visuellement ça a pas forcément marché, on est d'accord. Bah, pourquoi j'ai pas pris mon allié là? C'est bizarre. Mon allié était encore présent, normalement ça me met à terre et mon allié repart. Étrange. Est-ce que c'est parce que ça utilisait seulement ce que j'avais dans mon inventaire au début, donc tous les trucs de soins, je les avais dans mon inventaire et plus maintenant? Étrange, je ne sais pas. Non, bah non, normalement j'avais la deuxième vie de mon allié quand même. Je ne sais pas. Bien, commençons. Je vais faire des attaques spéciales aussi avec R1, carré ou triangle. Ouais, ou même dans les autres boutons si tu en as plusieurs. Le truc des attaques spéciales, effectivement, je trouve qu'elles sont particulièrement lentes à se mettre en place. Et que je trouve que la majorité du temps elles ne servent pas à grand chose, elles font pas forcément plus de dégâts. Elles sont juste dangereuses, parce qu'en fait tu vas faire une attaque, l'ennemi va pouvoir te toucher, et toi tu vas peut-être pas forcément le toucher. Donc ouais, j'ai trouvé que les attaques spéciales étaient décevantes dans ce jeu. Finalement du coup je fais quasiment que des attaques normales. Ah!
Tac, le niveau max du personnage, c'est quoi? Je ne sais pas, étant donné que je suis pas encore au level max, il y a un trophée qui demande le level 55. C'est peut-être le niveau max, le level 55, je sais pas du tout. Un peu gourmand. Bizarre, c'est une mission de level 56. Peut-être qu'avec le mode nuit noire, il y a peut-être des levels supplémentaires qui se débloquent. Il semble que vous avez progressé. Du coup, j'avais pas vu que la mission était level 56, d'accord. Donc ça, je trouve que je suis un petit peu sous-estimé en termes de level par rapport au niveau nécessaire, mais c'est pas grave. Ça y est, mon allié qui fait un peu des choses. Bon là. Travail d'équipe est la clé de la réussite. Ouais bah oui, le travail d'équipe est la clé de la réussite. N'est-ce pas mon allié qui ne fait rien depuis 3 ans là, hein? Je vais mesurer que la dernière fois, je ne trouve pas spécialement moi. Après forcément au fur et à mesure des combats je vais m'améliorer. Que je vais m'habituer au timing de la parade qui est très serré. Mais pour l'instant, on n'est pas bon encore. Hein. Par exemple. Ouais, là, zéro là. Bon. Réhabitué au niveau de difficulté. C'est même pas réhabitué d'ailleurs, c'est habitué de court. Hein. Parce que vraiment, j'ai fait tout le jeu dans sa version plus facile. Et la parade est beaucoup plus élargie. Mais c'est le but. C'est le but de rendre le jeu accessible à tout le monde. Bon, j'espère que le jeu va me permettre d'utiliser mon allié du coup. Parce que là, je suis bientôt au bout de ma vie. Je vais sans doute prendre un petit coup mal placé. Est-ce que je la prendrai pas tout de suite plutôt? Ouais. Je me rappelle plus de la suite de la mission, je sais pas si on repart sur des combats après encore ou pas, ou si c'est plutôt tranquille. Parce que ça se trouve, c'est la seule grosse difficulté de cette première mission, je me rappelle plus. Ok, ça va être pas mal normalement. Ok, impeccable. Hop. Ce sera tout pour cet entraînement. Après, tu as un combat sur un bateau. Je me demande si c'est pas déjà la deuxième mission, ça, non? Parce que justement, la deuxième mission, après, t'as le boss de fin, enfin, le boss sur le bateau. Un boss un peu particulier, qui est lié à un trophée d'ailleurs. Vous osez interroger votre On va voir de toute façon. On va passer les cinématiques. Bonne nouvelle pour ceux qui voudraient faire le jeu plusieurs fois pour les choix. Toutes les cinématiques peuvent être passées. Tous les dialogues et tout. Vous pouvez tout bourrer beaucoup plus rapidement. Et ben voilà, la mission c'était que ça. Le trophée est tombé. Ça doit être l'un des deux seuls trophées en gold, en or. Donc voilà, c'est pas très difficile. Et j'ai aussi le fait de relancer une mission. Très bien. Bon, et ben on va pas changer la note du trophée platine, on va rester sur du 4 sur 10, parce que vous pouvez le voir, même moi qui n'ai pas les timings, on est largement accessible
sur la difficulté. Bon, et bah très bien. On va repasser en mode normal du coup. Voilà. Et est-ce que je peux simplement me retéléporter dans ma petite ville? Ça compte, apparemment ça compte. Ok, très bien. Bon, bah la relance d'émission est quand même bien faite. Hein. Bravo, ça passe bien. En vrai, hein, ça passe largement. Hein. Même pour ceux qui sont pas spécialement chauds dans le game, vraiment, hein, je suis un exemple de personne qui ne suis pas du tout expérimenté pour ce genre de jeu. Et vous pouvez voir que, bon, après quelques essais, ça passe. Donc bien. Eh bien, écoutez, on va faire le deuxième trophée qui demande une relance de mission au passage. Comme ça, ce sera fait. Donc, c'est dans la deuxième mission du jeu. Alors, ça sert à rien que je vous le dise en détail, puisque vous allez très vite vous en rendre compte, mais il y a un boss à la fin de cette deuxième mission qui, très original, n'est pas tuable la première fois que vous le rencontrez. J'étais, mais en train de me taper la tête quand c'est arrivé. Je me suis dit, mais ils n'ont pas encore fait ça. J'ai l'impression que dans tous les sous-likes du monde, le truc est utilisé, réutilisé, réutilisé. C'est bon, on a compris, c'est plus nécessaire de le faire sur tous les jeux. Changer un petit peu, oublier cette histoire. Comme ça, vous en refaites dans quelques années et on est resurpris. Là, dès que tu es au début du jeu, un boss qui paraît trop dur, qui va très vite, qui fait beaucoup de dégâts, tu sais que c'est pas possible de le battre et qu'il est là pour t'éclater. C'est exactement le cas ici. Donc du coup, ils vous ont demandé dans le trophée de le battre quand même. Il faut pas le faire du premier coup, ce n'est pas possible. Il faut le faire après la fin du jeu en relançant cette mission. Voilà. Si la difficulté dite facile n'existerait pas, tu penses que tu aurais mis un 4? Non, pas impossible que non, sûr que non. Si la difficulté max était la seule difficulté, il aurait pris bien plus que 4. Alors après, il faudrait voir à quel point il est difficile. J'avais pas fait de guide écrit, je crois, sur Nioh à l'époque. Ou peut-être bien que si, je me rappelle plus, mais le Nioh 2 est déjà beaucoup plus proche d'un 8, voire 9 sur 10 en termes de difficulté. Donc là, on serait très probablement aussi dur, voire un petit peu moins, mais forcément, la difficulté du jeu impacte la difficulté, enfin la notation du platine, bien sûr. J'hésite pour l'acheter, il me tente quand même, mais j'ai peur des graphismes, même si ça ne fait pas tout. Franchement, tu peux t'y habituer, hein. C'est comme tout. Hein. C'est pas si choquant que ça. Hein. N'oublie pas la discrétion, je suis au max. T'inquiète. Mais là, on est de retour en mode normal. Hein. Donc ça va bien se passer. Aïe. Ah oui. Alors, en fait, ça va aller très bien. Je le savais pas. Quand on relance une mission sans le mode bizarre, là, on garde notre niveau actuel, mais le niveau de la mission n'est pas adapté à notre niveau à nous. Donc là, je suis en train de battre des ennemis qui sont level 2. Littéralement level 2, avec mon level 52. Donc vous allez me voir normalement les éliminer plutôt facilement et plutôt rapidement. Ce qui est rigolo, c'est que mon allié a exactement le même skin que moi. Du coup... Incroyable. Non mais attends, je vais te prendre en photo. Incroyable. Fabuleux. Très bien, très bien. Donc du coup, je pense que le boss, effectivement, à la fin de cette zone, devrait normalement bien se passer. Il y a peu de doute. Hop là. Approche par derrière. Pas besoin. Regarde, hop là, on va y aller en mode bourrin. Même dans Assassin's Creed, on n'est pas aussi efficace. Il n'y a pas un trophée pour faire une photo? Non. Par contre, il y a 40 et quelques photos à prendre dans l'open world. Mais c'est pas prendre directement une photo. Parce qu'effectivement, ça aurait pu être bien pour le trophée platine. Hein, pour avoir une belle photo de platine. Mais comme on le disait au début du live, il y a une belle photo à prendre avec un chat. Il y a 100 chats à récupérer dans le jeu. Vous en laissez un à un endroit que vous trouvez joli. Vous faites tout le reste. Et après, vous revenez récupérer ce chat pour la fin du platine. Et vous avez une belle photo de platine avec un chat. C'est une idée, il y en a peut-être d'autres. Hein, notamment des photos aussi. Il y a un trophée de collectif des photos. Vous laissez une belle photo, un endroit où vous trouvez joli. Et comme ça, ça vous fait un joli trophée platine avec une photo. Voilà, donc il y a des bons exemples à faire. Alors moi, ça sera ni l'un ni l'autre parce que forcément, il faut que j'enregistre tout ça pour le guide. Mais tu joues que avec le Dashi ou d'autres armes? Non, je joue avec d'autres armes aussi. Katana aussi, de temps en temps. J'avoue que le Dashi, je l'aime bien parce qu'il fait mal quand même. Il fait mal, il est un petit peu lourd, mais
Mais en vrai, je l'aime bien, puis il fait 3m50, donc je trouve ça très joli. Mais non, j'ai changé tout au long du jeu au fur et à mesure en fonction des armes que je débloquais, toujours pour prendre les armes les plus costauds. Il y a du monde. Trouvons un autre chemin. Ton avis, comment sortir Mafia 4 ? Bonne question. Je sais pas ce qu'avaient donné comme info les développeurs. On sait qu'effectivement, les développeurs qui s'appellent Hangar 13 développent le prochain Mafia. Mais je crois qu'il faudra être patient. Hein. Je crois pas que ce soit avant quelques années encore. Hein. Boum. Hop là. Ça devrait plutôt bien se passer. Mais moi aussi j'ai mon fusil maintenant. Attends, tu veux jouer à ça? Ouf, hop là. Est-ce que ce jeu est compliqué? On en a déjà parlé beaucoup. On va peut-être pas se répéter trop de fois. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos, regarder les rediffs de mon live, etc. Vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le jeu. Tac. Je sais pas si en relance de mission les assassinats comptent. Ou si c'est seulement dans le jeu normal. Parce qu'il y a un trophée faire sans assassinat. Ça pareil, j'en ai parlé dans mon guide, dans ma vidéo guide. Pour gagner du temps, faites des assassinats discrets le plus possible. Il y en a 100 à faire pour un trophée. Si vous n'avez pas pris le temps de les faire, vous allez mettre un temps infini pour les farmer après. C'est l'erreur que j'ai faite aussi. Donc, essayez de faire des assassinats, ouais. Genre, au cas où que ça compte. Hop. Tac. Les parades, tu les trouves comment? Bah, en fait, elles sont bien. Hein, elles sont bien. Bah, c'est comme tous les jeux du genre. Hein, comme... Bah, ça va, mon pote? Ah, ça va. C'est bon, il est mort. Comme Sekiro, comme d'autres Souls-like, il faut les maîtriser, hein. C'est un timing très précis, mais c'est pas habituel. Et surtout, en fait, c'est que la plupart des ennemis, ils ont des timings particuliers, en fait. Toutes les attaques ne sont pas pareilles. Il y en a qui vont attendre un petit peu avant de te faire une attaque, donc des fois tu vas appuyer, en fait tu vas pas faire la parade. Tu crois que tu t'es trompé, mais en fait non, c'est parce que le timing de l'ennemi est un petit peu différent, etc. Donc c'est vraiment... C'est vraiment un truc un peu particulier qu'il faut bien analyser sur les ennemis et une fois que tu maîtrises, c'est bon, ça passe. Alors il y en a peut-être qui vont trouver trop simpliste le système de parade. Peut-être que les puristes, je me demande si d'ailleurs les puristes des Souls-like vont pas trouver ce jeu trop facile, trop accessible. Je m'en rends pas compte, hein. Mais moi j'ai trouvé ça franchement plutôt agréable à prendre en main. Alors que j'ai pas l'habitude du tout. Hein. Tu as combien d'assassinats? Écoute, bonne question, j'ai pas regardé, mais pas énorme. Hein. Malheureusement. Plutôt plus 20 ou 30, hein, mais... Oh, comment je l'ai éclaté, lui aussi. En plus, c'était un boss un peu plus dur, hein. Tuez-moi, et c'en est fini de vous. Si, trop simple. Ouais, Maléniac, toi qui as plus l'habitude des Souls-like, tu le trouves trop simple. C'est ce que je me disais aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce boss. Alors, ça vous spoil un peu, je suis désolé. C'est le chapitre 2, ça vous spoil pas tant que ça. Ah oui, d'ailleurs, également, on peut mettre pause dans ce jeu. Normalement, les Souls-like, y a pas de pause. Hein. Non, tu mets pause, tu meurs. Hein. Là, on peut. Là, y a pas de souci, on peut mettre pause. Avoir en coop. En coop, peut-être pas. En coop, ça doit continuer de tourner, malheureusement. C'est pour ça, vive le solo. Ce boss, normalement, vous ne pouvez pas le battre la première fois. Et donc, il y a un trophée qui vous demande de le battre. C'est pour ça qu'il faut relancer la mission. Donc, ça sera fait assez rapidement, normalement, on va voir. Oui, c'était plutôt rapide, oui. On va laisser les cinématiques, c'est à peu près la seule cinématique du jeu. Plaisant. Il y a des cinématiques. Vous êtes donc deux. La lame secrète. Vous existez bel et bien. Voilà. Hop, on va passer. Le jeu qu'aime beaucoup à base de plans fixes, donc quand il y a des belles cinématiques, faut en profiter. Voilà, bon bah les deux trophées que je voulais faire ce soir sont faits. Donc effectivement c'est une formalité très formelle. Il y a aucune difficulté, pour être très précis. Au revoir.
Donc vraiment, le platine va rester à 4 sur 10. Je me demande même s'il faudrait peut-être pas le redescendre à 3,5. Hein. Ah, les 4, c'est bien. 4, c'est bien. 4, souvent les Assassin's Creed, j'ai note 3. 3, ça veut dire open world sans difficulté. Là, on peut estimer que c'est un open world avec une légère difficulté. Donc 4 sur 10 en difficulté, c'est peut-être pas mal. On va laisser là-dessus. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. Impeccable. Et bien écoutez, on va pouvoir reprendre ce que l'on faisait au début du live. C'est-à-dire de déclencher des petites missions secondaires qui sont aléatoires. Attendez, je vais rebaisser un peu le son. Qui sont aléatoires et il faut en faire 50 au total. Donc ça aussi, dès que vous en voyez, si vous commencez le jeu seulement, maintenant, faites-les. Faites-les absolument, comme ça vous n'aurez pas à faire ce que je fais actuellement. Vous embêtez à reparcourir le monde entier. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le jeu? Grande question de ce soir, ça dépend de toi. Ça dépend de quel point les points faibles de ce jeu te gênent, en sachant que les points faibles restent tout à fait acceptables pour la majorité d'entre vous, je pense. Étant donné que le jeu est pas très joli, si les graphismes te gênent énormément quand c'est pas très joli, ça peut être un point rédhibitoire. Il faut juste être conscient du gameplay, de la difficulté légère mais accessible. Et faut aimer le Japon, ce serait bien quand même pour arriver à vraiment apprécier le jeu. Mais ça reste un jeu très agréable à faire. Alors je vais pas donner de... Je vais pas faire de test hein, parce que j'ai pas eu le temps. Mais ça vaut entre 15 et 16 sans aucun souci. Donc voilà, après à vous de voir. Je vais mourir là. Hop 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 hop. Quand même pas mourir en mode facile. Petit dernier. Voilà. Ok, donc encore une. Je crois qu'il m'en restait 18 à faire. J'en ai fait de nouveau 3 là. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est comme ça. D'après toi, c'est mieux de faire la mission principale et de revenir après ou tout faire en même temps? Je suis pas sûr qu'il y ait un mieux. Tu peux tout faire en même temps, mais bon, ça casse peut-être un peu le rythme du jeu. Étant donné que tout est faisable après. À mon avis, c'est peut-être préférable de juste bien faire le jeu, profiter le jeu, profiter du jeu, et après tu fais ce que t'as pas trouvé, tu fais un peu ce qui arrive sur ton chemin, quoi. Tu te forces pas à tout faire, tu profites de l'histoire, tu fais ce qui passe sur ton chemin, et après tu fais ce qui te manque à la fin. Ça me paraît être le chemin globalement à faire sur la plupart des jeux open world comme ça. C'est un peu comme sur un Assassin's Creed, quoi. Si tu fais tout au fur et à mesure sur un Assassin's Creed, tu te fais chier. Alors, si tu dois faire tous les collectifs de toutes les régions avant de passer à la prochaine, ça gave de ouf. Donc vaut mieux, tu vois, tu fais un peu de collectif, tu fais l'histoire, tu fais ce qui passe sur ta route et après tu fais tout le reste, quoi. As-tu eu des bugs? Non, pas majeur. Des petits bugs de collision, avec des trucs qui rentrent un peu dans les murs, etc. Mais pas de bugs embêtants. J'ai pas eu de bugs bloquants. Donc ouais, non, c'est plutôt correct et propre. Il y a un peu de texture qui s'affiche au dernier moment. Ça compte comme des bugs graphiques, hein, mais pareil, pas de bugs embêtants. C'est con, hein, parce que pourtant les textures sont pas incroyables, mais bon... Donc, ça va, c'est correct. Star Wars Outlaws, une date au Summer Game Fest le 7 juin, sachant que ça dure 2 heures la conférence. Oh, oui, Bertrand, au Summer Game Fest, on attend Ubisoft au tournant. Oh là 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 là. Et oui, il y aura des dates chez Ubisoft. Oui, il y aura la date de Star Wars Outlaws. Normalement, on l'aura avant. Je dis rien, mais il se pourrait qu'il y ait des trucs avant le Summer Game Fest. Se pourrait. C'est une intuition. Comme ça. Mais foutez-moi la paix. Bah, je pourrais. Ouais, on en reparlera.
En tout cas, au plus tard au Summer Game Fest, une date pour Star Wars. Et surtout, une date pour Assassin's Creed Red, pitié, s'il vous plaît. Une date pour Assassin's Creed Infinity, s'il vous plaît. Montrez-nous tout ça, on en a besoin. Une intuition, une information que t'as trouvée. Et je n'ai pas trouvé d'information. C'est un peu plus que ça, Logan. Et c'est pour ça que je reçoive des mails intéressants. Merci. C'est pas grand chose, mais acceptez ceci. Merci, mec. Tac. Toi qui aimes Assassin's Creed, tu dois kiffer le jeu. Alors, c'est quand même pas tout à fait pareil. Hein. C'est quand même pas tout à fait Assassin's Creed. Hein. C'est beaucoup moins narratif. C'est beaucoup moins libre sur la détente plutôt. Là, faut être beaucoup plus concentré, etc. Donc c'est quand même pas tout à fait comparable à un Assassin's Creed. Mais oui, vu que j'aime les gros open world, j'ai tout à fait un avis positif sur ce jeu, hein, y a pas de souci. Il y a un trophée sur la maîtrise d'armes. Non, il y a aucun souci sur la maîtrise d'armes, tu peux faire ce que tu veux. Il y a juste un trophée qui demande de tuer un ennemi avec chaque type d'arme. Globalement, ça va se faire tout seul si tu changes d'arme souvent. Sinon, après à la fin du jeu, il y a toujours des ennemis, donc il y a pas de souci. Vas-y, crash, t'en dis trop ou pas assez. Je ne peux pas, j'ai signé un contrat qui m'interdit de dire quoi que ce soit, Logan. Et c'est un vrai, c'est pas une connerie. Hein. Il y a un contrat qui a été signé, j'ai des infos, mais je n'ai pas le droit de dire. Je vous dis juste que il se pourrait. Et voilà. Voilà. C'est pas ce qui peut se passer. Apparemment, Assassin's Creed Red est reporté en 2025, c'est confirmé. Non, c'est rien confirmé du tout, Goten. On aura de toute façon pas de confirmation tant qu'il n'y aura pas une conférence d'Ubisoft. Metal Gear pour cette année. Ça par contre, ouais, on attend des news de PlayStation sur ce côté-là, puisque effectivement le remake de Metal Gear, appelé Metal Gear Delta, il y avait eu un super trailer, je ne sais plus à quelle occasion, il y a quelques temps, nous disait super, Metal Gear ça revient, mais vu du trailer magnifique et tout, on s'est dit, bon, c'est pas avant des années. Et puis, PlayStation s'est amusé, alors reste à savoir si c'est une erreur ou pas, mais je crois pas, à l'implémenter dans une compilation des jeux PlayStation qui arrivent en 2024. Grande surprise. Si PlayStation l'a mis là-dedans, c'est soit il y a un stagiaire qui est arrivé un peu fatigué au boulot et qui a fait une connerie, soit, effectivement, le remake de Metal Gear est bel et bien prévu pour 2024. Pourtant, dans le premier trailer, il n'y a aucune date, même pas une année, rien du tout. Genre, impossible de se douter que ça arriverait en 2024. Comme ça, j'ai plus envie de dire que c'est une connerie. Ça me paraît tellement improbable que ce jeu arrive comme ça en mode de, coucou, on est bon, on est prêt. Mais peut-être que si. Peut-être que si. Et pareil, ça faudra confirmer ça durant la prochaine conférence PlayStation. Et il n'y en aura très probablement pas avant en juin. Donc pareil, Summer Game Fest, si Metal Gear s'officialise pour la fin de l'année ou pas. A voir. Ce serait bien, ça ferait un bon jeu de fin d'année en plus, là, ce serait cool. Hop là. Ouais, t'as besoin d'argent encore et encore, ouais, j'ai bien compris. Prévois-tu un guide sur Silent Hill 2 s'il sort pas pendant un truc terriblement plus gros? Oui. Faut juste pas qu'il sorte... en fait, j'ai peur qu'il sorte en fin d'année maintenant, du coup. Parce que effectivement, il a l'air de se repousser encore et encore et encore. Et s'il sort, imaginons, en octobre, en même temps qu'un Star Wars Outlaw ou un Assassin's Creed, il n'y a aucune chance que Silent Hill ait une quelconque place, quoi. Donc le meilleur truc qui pourrait lui arriver à Silent Hill, c'est qu'il arrive genre en septembre, un peu avant tout le monde, ou en décembre, après tout le monde. Ça serait une bonne nouvelle pour lui, comme ça tout le monde aurait le temps de le faire, de l'apprécier. Mais j'ai bien peur qu'il fasse la connerie de le sortir en même temps que tout le monde. Apparemment, ce serait en mai. Ce serait bien. Ah, ce serait une très bonne idée aussi. Alors, ça me paraît optimiste, vu les reports successifs. Mais imaginons que finalement, ce soit plutôt bien parti pour le sortir dans pas très longtemps. Ils arrivent à le caler là, à la fin de la première moitié, pendant qu'il n'y a personne, justement, ce serait une très très bonne idée. Juin, avril, mai, ce serait génial pour Silent Hill. Mais. Soyez peut-être pas trop optimiste, hein, quand même. Là maintenant que tous les événements, les gros événements sont passés, il faudrait qu'ils l'annoncent juste dans un trailer ou sur les réseaux sociaux. Difficilement
Difficile de mettre la hype de nouveau. Mais bon, à voir, à voir. Et ben dans le cadre de cette éventualité, oui, on fera un guide sur Silent Hill. En plus, j'ai trop envie de découvrir la licence en espérant que le remake soit à la hauteur. Hein. Encore, c'est différent. Mais là, j'ai trop envie de voir le mec avec la tête de pyramide. Là. Il est trop sympa. C'est plus avec Hideo Kojima. C'est plus avec Hideo Kojima, mais c'est le même jeu. Effectivement, le Metal Gear Remake ne sera pas fait par Hideo Kojima, mais ils reprennent la même histoire, les mêmes tout. Donc ce sera le jeu d'Hideo Kojima, mais juste refait plus joli. Donc finalement, bon, c'est pas avec lui, mais c'est la même chose, tu vois. Si c'est réussi. Alors après, il y en a peut-être qui veulent le boycott justement exprès en mode ouais, bah, ça aurait dû être fait par Hideo Kojima et ça se tiendrait. Mais par contre, pour ceux qui n'ont absolument rien à foutre, je pense que ce sera largement convenable. Tu ne trouves pas que la critique a été dure avec ce jeu? On n'est pas sur un cas Days Gone. J'ai pas du tout regardé les tests. J'en sais rien. Non. Parce que je crois que le score métacritique de Rise of the Ronin, je vais vérifier, est finalement pas si terrible. Aux dernières nouvelles, c'était 70 et quelques. Rise of the Ronin. Metacritic. Alors après, je sais pas qui tu as regardé comme texte, comme test, mais si tu as regardé des youtubeurs, youtubeuses françaises, il s'agirait de peut-être remettre en question la vie de ces personnes. On est à 76 sur 100. 76 sur 100, c'est pas mal, hein. Ça fait quoi, 76 sur 100? 76... What? Non, attends. Si, c'est ça. 76... 2 divisé par 10. Ça fait 15,2 de moyenne. 15,2, c'est tout à fait correct. C'est pas incroyable, mais ça vaut 15,2. Moi, j'ai dit entre 15 et 16, comme quoi on est pas si mal. Days Gone, il avait eu quoi? Alors, Days Gone, maintenant, il avait 71. C'est un peu moins bien, c'est plus 14, du coup. Mais c'est parce que maintenant, il y a plein de nouveaux tests qui sont sortis récemment avec les versions améliorées, etc. Donc la note est plus haute. Mais à l'époque de la sortie de Days Gone, on devait être en dessous. À mon avis, on était plutôt autour des 12-13 de moyenne pour Days Gone à sa sortie. Ce qui, là, par contre, était totalement injustifié. Clairement pas. Mais là, selon moi, 15-16 sur Rise of the Ronin en moyenne, pour les tests fiables de personnes intéressantes, ça reste tout à fait convenable. Après, s'il y a des gens un peu moins intéressants qui ont critiqué ce jeu alors que ça ne méritait pas, eh bien, vous savez de qui vous désabonner. Hop, là je suis juste monté au-dessus pour faire le petit point de téléportation. Hop. Tac, le deuxième DLC de Final Fantasy VII Final Fantasy XVI qui arrive. Il y a des gens qui font les DLC de Final Fantasy XVI. Désolé, c'était combien de métacritiques? Maintenant c'est 71 maintenant, mais parce qu'il y a toutes les versions un peu corrigées qui sont sorties, donc il y a des tests qui ont augmenté la note. Mais à l'époque de la sortie de Days Gone, on était vraiment sur du bâchage médiatique terrible, un peu comme ça s'est passé avec Forspoken. Forspoken qui, selon moi, ne méritait pas non plus des 12 et des 11 sur 20, comme ça a été longuement annoncé, et notamment toujours par les mêmes personnes en France, qui, je crois, étaient en train de faire du ski quand ils ont testé Forspoken. Et malheureusement, le jeu s'est un peu fait éclater, et du coup... Mais calme-toi, cheval! Merci! Et du coup, le studio a fermé, d'ailleurs. Hein. Alors, Forspoken n'était probablement pas le meilleur jeu du monde, on est bien d'accord. Il y a plein de défauts. Mais il méritait clairement pas ce qui s'est pris dans la tête. C'est le cas pareil pour Days Gone. Mesdames et messieurs, si vous voulez faire du tourisme devant vous, le mont Fuji, fameuse montagne du Japon, ancien volcan, alors pas tout à fait éteint, je crois que le mont Fuji a encore une activité volcanique, légère, surveillée, très peu dangereuse, mais pourrait se réveiller un jour. Voilà, bon là on le voit plus parce qu'il y a une grosse montagne, mais... Ils se sont amusés à mettre le mont Fuji alors qu'il n'est pas visitable. Il y a de la neige dans le jeu si vous êtes dans les zones montagneuses. Mais d'ailleurs, on pourrait peut-être changer de zone un petit coup parce que là, je suis en train de me balader depuis toujours dans la même zone. Mais on peut aller dans la deuxième zone par exemple. Et dans la troisième zone, il y a des zones plus hautes dans les altitudes et vous pouvez avoir de la neige. On peut escalader dans le jeu. Non, on peut pas aller sur le mont Fuji malheureusement. C'est juste un joli plan derrière. Mais c'est tout.
L'année prochaine, remake Resident Evil 5, peut-être. Peut-être, avant, il y aura normalement Resident Evil 9 avant le remake du 5. On attend des nouvelles de Capcom. Qui, au lieu de sortir des jeux avec des dinosaures dont tout le monde se fout, mieux de sortir Resident Evil 9. Il y a peut-être qu'on a aimé ce jeu de dinosaures, là, je sais plus comment ça s'appelait, là, machin primol. Là. Je ne sais plus, là. C'était terrifiant. Hop. Des rumeurs disent Resident Evil 9 et Resident Evil 5 en 2025. Ah, c'est rare qu'ils sortent les deux dans la même année. Hein. Normalement, il y a un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Hein. Ton estimation de 50 heures pour Platine, tu n'as pas l'impression que ce serait un peu plus? Franchement, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bah pareil, je verrai quand j'aurai terminé, mais ça dépend vraiment de comment tu joues et de ton mode de difficulté. Hein, mais franchement, ça m'étonnerait que ce soit beaucoup plus que ça. Vous voyez, 60 peut-être au max si tu joues en difficile. 50 si tu joues dans un mode sans trop de difficulté. Et un peu plus forcément si t'es dans un mode difficile, ouais. Mais étant donné que quand même, je dis que s'il est faisable en facile, on est obligé de donner une fourchette quand même assez basse. Et puis ça dépend aussi de comment tu te débrouilles. Parce qu'effectivement, il peut être très long si tu te mets en mode de difficile et que tu galères 3 heures sur chaque boss. Effectivement, là, c'est un peu plus long. Jeu de dinosaure. Ouais, Capcom avait sorti un jeu de dinosaure un peu bourrin. Ça s'appelait, comment on me l'a dit, Dino Crisis, c'est ça. Je pense que le jeu a à peu près attiré 3 personnes et demie. Mais peut-être que c'était bien pour les 3 personnes qui jouaient. Hein. Peut-être. Exoprimal plutôt, t'as raison, c'est ça. Et pas Dino Crisis. C'est ça, Exoprimal. Revenez. Toc. Hop. On continue. Maintenant qu'il n'y a plus grand chose cette année, quel est ton jeu le plus attendu? Non encore officiel. Question précise. Encore officiel. Alors quand tu dis non encore officiel, c'est-à-dire un jeu qui n'a pas encore été annoncé? Ou un jeu qui n'a pas de date de sortie? Quand tu dis non officiel, ça veut dire quoi? Parce qu'un jeu qui aurait pas de date de sortie mais qui serait annoncé, on est sur Assassin's Creed Red sans aucun doute. Un jeu qui n'est pas encore annoncé... Ah, c'était pas de date de sortie. Ok, bah pas de date de sortie. Ouais, clairement, ma hype max, elle est sur Assassin's Creed Red. Mais c'est parce que je suis un gros fan d'Assassin's Creed. Hein, c'est totalement subjectif. C'est probablement pas le meilleur jeu, peut-être. Je sais pas. J'ai peur qu'Ubisoft, ils soient pas à la hauteur. Ah, ils me font peur, putain. Ils ont plus le droit à l'erreur. Ils ont bossé, normalement. Ça va être au niveau. Mais j'ai peur qu'ils retombent encore une fois dans les mêmes travers et que les gens en aient marre. Ah... Ah, j'ai peur pour cet Assassin's Creed Red. Je sais que ça va être un bon jeu. C'est sûr, il n'y a aucun doute. Mais tout comme je trouve que Assassin's Creed Valhalla était un bon jeu. Mais... il faudrait peut-être un peu plus qu'un bon jeu. J'ai peur. J'ai peur de la plateforme Infinity aussi. J'ai peur de ça. J'ai peur pour Ubisoft. Mais j'ai peur. Ah! Ah! Vite, annoncez-nous des trucs bien là. S'il vous plaît. Et en jeu pas encore annoncé, pas facile, hein, pas facile, je rêverais d'un Detroit Become Human 2, vous le savez, ça n'arrivera jamais. Mais même si ce n'est pas un Detroit Become Human 2, je rêve d'un nouveau Quantic Dream aussi bien écrit. Si ce n'est des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, c'est pas grave, c'est ok. Mais voilà, un nouveau Quantic Dream incroyable, là, avec des émotions de partout, là, avec des embranchements à plus savoir quoi en faire. Là, ce serait incroyable.
Et j'adorerais le retour d'un Infamous, moi. Alors oui, bah c'est Sucker Punch, c'est Ghost of Tsushima 2. Ghost of Tsushima 2, je suis grave chaud, je suis impatient. C'est pas la plus grosse attente que j'ai non plus. Mais j'aimerais bien qu'il nous refasse un Infamous, ouais. C'était bien. Infamous Second Son, c'était bien Infamous Second Son. C'était bien, c'était beau, c'était incroyable, et c'était plus joli que ce jeu-là. Rejoins Infamous Second Son, il éclate Rise of the Ronin en niveau graphisme. Il éclate! Alors les textures sont un peu lisses, le monde est un peu vide. C'est sorti la première année de la PlayStation 4. Les effets sont incroyables. C'est Sucker Punch. Sucker Punch, c'est des magiciens. C'est des magiciens. Ils font les jeux les plus incroyables graphiquement. Enfin, genre Infamous Second Son, c'est fabuleux. Les effets de feu, de particules, là. J'ai vu ça, moi, à l'école. Mais en fait, c'est encore un souvenir où vraiment, quand on est passé de PS3 à PS4, où vraiment j'ai été sur le cul en mode « Ah ouais, c'est ça la next-gen !» Et ça, de « Ah ouais, c'est ça la next-gen !» Eh ben, je l'ai pas eu sur la PlayStation 5. Un petit peu récemment, quand même, sur Horizon Forbidden West, parce que vraiment, le niveau de détail et de finition et de la distance d'affichage, j'ai eu un petit peu le « Ah, là, c'est la next-gen !» Mais Infamous Second Son, quand je suis passé PS3 à PS4, c'était vraiment la patate. La grosse patate. Les effets de feu, là, tu voyais ça, t'étais, mais attends, on est en 2050, c'est pas possible. Et c'était incroyable. Et Sucker Punch sait faire ça. Jingle. 20h-23h, tous les dimanches, avec Sneer. Les points d'exclamation TAS pour participer au tirage au sort de 22h, deuxième tirage au sort, n'hésitez pas, c'est le moment. Et après on fera la blague également, notre petite tradition, parce qu'on adore ça. Même un remake d'Infamous, je prends un vrai beau remake, pas remaster, hein, un remake des premiers épisodes, ce serait le rêve absolu pour faire découvrir ça à tout le monde, ce serait génial. C'est vrai que quelqu'un a fait la remarque, et c'est une bonne remarque, le dernier Alan Wake. Le dernier Alan Wake est très impressionnant, Monster 7, tu as raison. J'avais un peu sorti de ma tête, faut l'avouer. C'est vrai que c'est quand même plutôt beau. Plutôt bon, plutôt impressionnant. Sur le changement de luminosité, on est pas mal. C'est vrai qu'Alan Wake, on est peut-être effectivement sur un jeu qui fait... Ah, là, c'est la next-gen. Ouais. Effectivement. Tu connaissais les jeux prototype? Oui, j'avais un pote qui en avait un, mais j'y ai jamais joué, donc je me rappelle plus. Un remake de Siphon Filter. Alors, Siphon Filter, je ne sais pas ce que c'est. J'imagine que c'est un jeu PS1. Ben, j'étais pas né. Un jour peut-être, je ne sais pas. Mais demandez-le très très fort et priez. Heavy Rain, tu l'avais fait à l'époque ou nous non? Non, j'ai jamais fait Heavy Rain et j'ai jamais pris le temps de rattraper Heavy Rain parce que je pense que c'est un jeu que je pourrais aimer, bien sûr, parce que pareil, très narratif, etc. Mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Plus nouvelle de Splinter Cell. Non, c'est une très bonne remarque. Le jeu qui avait été annoncé par Ubisoft n'a pour l'instant pas ressorti la tête de l'eau. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Il était donc un reboot hein, de la licence. Ce n'était pas un remake à promo parler, mais c'était un reboot d'un des premiers Splinter Cell qu'ils allaient donc refaire totalement en plus joli. Mais pour l'instant, a pas de nouvelles, ouais. Donc pareil, peut-être durant l'une des prochaines conférences Ubisoft, ou peut-être que ce sera un nouveau projet Ubisoft qui finira par se montrer dans 5-6 ans, peut-être, un jour, peut-être. Peut-être jamais. On ne sait pas. Ce serait ouf qu'il ressorte quand même cette année un nouveau trailer de Beyond Good and Evil. C'est le dernier projet Ubisoft qui pour l'instant n'a jamais été sorti. Et qu'ils arrivent là, 10 ans après, en mode « Eh, vous savez, vous rappelez ? Eh ben on l'a pas oublié, il est toujours là !» Aux dernières nouvelles, le jeu était encore en développement. Alors c'est des nouvelles qui datent de 1 an et demi, 2 ans. Mais qui avaient annoncé que le jeu était en test interne pour des preuves de gameplay, etc. Alors ça veut dire qu'on était très loin d'avoir un jeu. Mais que c'était pas abandonné. Les mecs sont optimistes. Au revoir le chien, merci le chien. Donc ça va être calme jusqu'en juin selon toi? Bah malheureusement, hein... Maintenant, les dates sont quand même très peu annoncées en dehors des événements. Et à part, bon, j'espère quand même qu'il y a quelques titres qui vont s'ajouter en juin. Mais en tout cas, avant juin, je crois pas qu'il y ait d'autres jeux qui viendraient s'ajouter. Alors, on a parlé de Silent Hill 2. Peut-être que Silent Hill 2 va faire une bonne surprise, mais...
Malheureusement, hein, va falloir attendre la deuxième partie de l'année pour avoir des trucs costauds. Hein. Il n'y a que Stellar Blade à venir. Ouais, Stellar Blade le 26 avril. Il y a Hellblade 2 sur Xbox et PC le 21 mai, qui va être magnifique et qu'on attend depuis un moment. Mais c'est pas gros, hein, donc c'est un petit jeu de mai rapidos. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Quelle année faible. Quelle année faible. Stray 2 cette fois-ci avec un chien. L'idée est intéressante. Je sais pas du tout ce qu'a prévu le studio qui faisait Stray. Qui était un petit studio, hein, bien sûr, mais vu le succès de Stray, je pense qu'ils n'ont pas dû s'arrêter là maintenant, ils vont continuer sur un autre projet. Ils auront peut-être envie de changer de style, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Du coup, est-ce que tu joues aussi sur Xbox? Si oui, est-ce que tu obtiens tous les trophées aussi? Alors, je joue très peu sur Xbox, je suis quand même majoritairement PlayStation, cependant, il y a quelques gros jeux que je fais sur Xbox. Quand j'ai que ça comme choix, quand j'arrive pas à les avoir en avance sur PlayStation, je les prends sur Xbox. Et oui, tout pareil, j'avoue quand même que le système de trophée PlayStation, il a un truc donnant envie absolument d'aller chercher le trophée platine. Ce qui fait que je suis mille fois plus motivé quand je fais un jeu sur PlayStation d'aller tout débloquer. Sur Xbox, il y a alors le fameux 1000G quand t'as tout, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas le truc, tu vois. Il n'y a pas l'objet. Il faudrait qu'Xbox ils inventent un truc. Un bouton gold en or, tu vois, qui s'affiche en gros quand t'as le jeu, pour que t'aies vraiment envie d'aller choper ce truc-là. Et il y a un petit truc qui manque sur Xbox. Donc généralement, les jeux Xbox, je fais les guides, etc. Mais si des fois, il y a des trophées trop répétitifs, des succès trop répétitifs, eh ben, je les abandonne, j'avoue. C'est le cas d'Hogwarts Legacy, par exemple. Hogwarts Legacy, j'ai quasiment tout fait, il doit me rester un ou deux succès un peu chiant à faire. Eh ben, je les ai pas fait. Parce qu'il y avait pas ce trophée platine, tu vois. Voilà. Mais bon, ça m'arrive de jouer sur Xbox, Hogwarts Legacy, que j'ai fait sur Xbox par exemple. Mais ce ne sera pas le dernier, il y en aura d'autres. J'aurais dû faire Starfield en septembre dernier. Je me suis fait enlever par des extraterrestres, maintenant vous le savez, je n'ai pas pu faire Starfield. Mais par contre, les prochaines grosses sorties Xbox, on pourra sans doute les faire. Il y a suivi de trophée avec Rise of the Ronin, c'est cool. Ouais, ça fait partie enfin des jeux qui ont le droit à ça sur PlayStation 5. Merci PlayStation. C'est normalement c'est quand les jeux sont en exclu PS5, ouais. Hogwarts Legacy sur PS5, tu l'as eu en démat. Ouais, je l'ai eu en démat après la Xbox, celui de la Xbox. J'ai pu avoir la Xbox avant la sortie et PS5 après la sortie. Ennotorien Souzlike le 21 août après vous compte, t'as oublié. Alors, c'est pas que je l'ai oublié, c'est que personne n'a jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que Ennotria? Pourtant, je me suis informé hein, sur les Souzlike. Hein. J'ai fait deux grosses vidéos sur les prochains RPG et les prochains Souzlike. Et j'ai jamais vu passer Ennotoria. Donc, on va l'oublier. Et on va bien l'oublier, à mon avis, oui. Parce qu'on va même pas le voir sortir. Non, tout va bien, Black Myth Wukong, ce sera déjà suffisamment. Je réitère mes inquiétudes hein, sur Black Myth Wukong, d'ailleurs, que j'avais mentionné dans cette vidéo des prochains Souls-like. Allez-y doucement sur les attentes pour Black Myth Wukong, je vous le conseille. Je sais que c'est beau comme ça, je sais qu'on a envie de se dire que ça va être un jeu incroyable. Je croise les doigts pour que ce soit génial. Si vraiment vous y allez doucement, vous risquez comme ça de ne pas être déçu. Vous le conseille. Juste comme ça. Voilà, je remets ça. Allez-y doucement avec Black Myth Wukong. Je compte le faire. J'espère juste que ce sera pas trop décevant. On remet l'ambiance. Gagnons du tirage au sort de 22h. C'est parti. Tac. Et c'est monsieur au pseudo dont je ne prononcerai toujours pas, puisque vous êtes obscène, monsieur. Il gagne 15 points, ça s'affiche dans le chat. Bravo à toi, monsieur Z, on va t'appeler. 15 points café supplémentaire. Bravo. Un petit jingle. Et on enchaîne sur la blague de la tradition de 22h. 20h-23h, tous les dimanches, avec Snir. Olé, je vous rappelle que le dernier tirage au sort est débloqué dès qu'on atteint les 200 pouces bleus. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit.
et ça fait plaisir. Allez, c'est parti, on va demander une blague sur les samouraïs, mais on sait que Alexa ne comprend pas toujours ce qu'on lui dit, donc on va voir ce qu'on peut faire. Bonjour Alexa. Rafraîchissante, onctueuse et savoureuse. C'est la journée mondiale de la glace. Voilà, donc vous le savez, c'est la journée mondiale de la glace aujourd'hui. Il y a des journées mondiales pour absolument tout. Bon, faites-vous plaisir, c'est la journée mondiale de la glace aujourd'hui. N'hésitez pas à manger une petite glace. C'est parti. Raconte-moi une blague sur les samouraïs. Je n'ai pas de blague à ce sujet. Bon, et sur les ninjas, c'est presque pareil. Raconte-moi une blague sur les ninjas. Où les ninjas font-ils réparer leur voiture? Chez Naruto. Oh, oh, elle est incroyable. Ah, je crois que c'est la meilleure blague qu'on ait eue depuis le début des lives. Oh non, elle est bien. Elle est validée à 1000% celle-là. Oh, une blague drôle. Et comme quoi ça valait le coup d'attendre et de venir ce soir. Et vous avez bien fait de venir là. Rendez compte, vous auriez raté cette blague incroyable. Fabuleux. Ah bah c'est magnifique tout ça. Bon, allez c'est parti, dernière partie de ce live, on va donc continuer. Notre objectif, ce serait bien que le trophée de ces missions tombe, hein, parce que quand même, à combien on est? Je vais regarder pour voir, on en a fait au fur et à mesure, il nous en restait peut-être allez, 10, une dizaine, ce serait bien qu'il nous en reste une dizaine. Ce serait bien, je suis à 80% de 50. 50 x 0,8, ça fait 40, il m'en manque 10, impeccable. Allez, il en faut 10 encore. Alors, en moins d'une heure, est-ce qu'on va pouvoir en trouver 10? J'espère, ce serait bien. Je te déplace tout le temps à cheval. Quand je peux, ouais, parce que c'est quand même vachement plus rapide. Quand je suis en hauteur, bien sûr, je prends le deltaplane. Mais par contre, dès que je peux utiliser le cheval, ouais. Parce qu'à pied, bon, c'est bien, mais c'est vite long. Tu prévois des vidéos pour la plupart des trophées de The Ronin. Alors déjà, pour les trophées de ce jeu, tous les collectifs vont être faits. Donc il y a tous les chats, toutes les photos, tous les fugitifs, tous les sanctuaires, tous les coffres. Je prépare une vidéo également sur tous les alliés, les missions secondaires à débloquer. Ça va être assez long, mais il faut le faire. Il y a quelques petits trophées à faire, notamment sur des mini-jeux. Pareil, ça se sera diffusé sur la chaîne secondaire et sur le site. Voilà, et globalement, une fois que tout ça sera fait, bah, ce sera plutôt pas mal. Donc tout ce qui a besoin d'aide, hein, comme toujours, dès qu'il y a des trucs un peu plus difficiles à trouver, etc., une vidéo sera prévue. Chaîne principale pour les trucs majeurs, chaîne secondaire pour les plus petits trucs moins importants. Voilà. Je voulais pas changer de région, j'ai déjà changé une fois. Mais on peut rechanger un peu plus tard pour aller dans la troisième et dernière. Les trophées entraînement sont chauds. Je ne les ai pas encore tentés, donc s'il y a besoin, je ferai. Faut pas hésiter à te mettre en mode facile, hein, pour ces défis d'entraînement. Parce que les défis d'entraînement sont impactés par la difficulté que tu as choisie. Donc si jamais c'est trop galère, remets-toi en mode facile. Viens un peu voir ici. Coucou. Tu veux ? Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? On se tape ? Tu as du saké ? Je pensais en avoir, mais apparemment, j'ai déjà tout bu. On se tape ? On se tape pas. On se tape pas ? On se tape ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah, on se tape ! Je vais te donner une leçon ! Aïe. Il fallait pas boire tant de taquet aussi, monsieur. Moi, j'y peux rien, moi. Hop là. Voilà. Prends le grappin. Ouais, c'est vrai qu'on peut utiliser les bonbonnes pour leur faire du mal, mais c'est pas si efficace que ça. C'est toi qui l'as tapé. Oui, il fallait que je fasse avancer le combat. Hein. On sait bien que c'est comme ça que ça allait finir, de toute façon. Je sais pas si tu en as déjà parlé, mais est-ce que tu zappes Dragon Dogma 2? Alors, j'en ai parlé au début du live, mais on va refaire un petit point pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, vous l'avez compris, les jeux sont sortis en même temps. Ce qui est problématique, on peut pas tout faire en même temps.
Donc, Rise of the Ronin passe en premier. J'ai fait un sondage sur la chaîne. Rise of the Ronin est un peu plus demandé que Dragon's Dogma. Je cherche pas plus loin. Je fais Rise of the Ronin en premier. Je finis Rise of the Ronin. C'est la première étape. Maintenant, après Rise of the Ronin, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux trucs à faire. Premier truc, j'ai pas fini Final Fantasy VII. Il me manque des vidéos d'aide à faire sur certains mini-jeux chiants à mourir et tout le mode difficile. Il y en a qui en ont besoin maintenant. Mais du coup, maintenant, Dragon's Dogma vient de sortir également. Donc, la question se pose de est-ce que Dragon's Dogma a besoin de beaucoup d'aide? Qu'est-ce qu'il faut faire dans Dragon's Dogma? J'ai même pas regardé les trophées, je sais pas ce qu'il faut faire. Donc, pour l'instant, j'en suis absolument incertain. Je ne sais pas quoi faire sur Dragon's Dogma, etc. Donc, j'ai déjà fait Rise of the Ronin. Je vais ensuite regarder Dragon's Dogma, voir ce qu'il y a à faire, etc. Et après, je me décide de est-ce que je fais Final Fantasy, est-ce que je fais Dragon's Dogma, en fonction de l'attente, en fonction de ce que les gens ont besoin, etc. Mais déjà, Rise of the Ronin, jusqu'à la fin de la semaine, il n'y aura rien d'autre, c'est sûr et certain. Parce que, on ne peut pas être magicien, donc on verra bien. Il y a une sacrée hype sur Dragon's Dogma, et j'ai pas l'impression, moi. J'ai l'impression que ça démarre très doucement, pour être tout à fait honnête. Alors oui, il y a certains youtubeurs qui aiment bien faire des vidéos de putaclic pour dire blabla, des trucs comme ça, etc. Mais en dehors de ces personnes pas très intéressantes, j'ai l'impression que moyen. Et pour preuve, Rise of the Ronin a eu beaucoup plus de pourcentage sur mon sondage que Dragon's Dogma. Donc j'ai un peu peur de la hype moyenne. Et je me demande si c'est pas plus intéressant que je finisse Final Fantasy VII. Donc à voir. De toute façon, je vais regarder déjà les trophées. Je vais m'informer. Je vais lancer le jeu. Je vais avancer. Je vais commencer un peu de mon côté. Et après, en fonction de ce qu'il y a à faire, on verra. Chaque chose en son temps. Il y a un bad buzz de Dragon's Dogma concernant les microtransactions. Ouais, c'est... Alors, j'ai cru comprendre, ouais. Qui se croit capable de nous affronter tous les deux? J'arrive, je suis là, moi. Let's go. Intéressé? Nous offrons une belle réponse. À chaque fois qu'il dit Ronin, Ronin, mes oreilles. Ouais, alors je sais qu'il y a deux... Il y a deux écoles. Il y en a qui disent Ronin à l'anglaise. Ou alors bon français, Ronin. J'ai fait mon choix. Les sauts. Faudra-t-il faire? Et apparemment les 200 pouces bleus ont été atteints, merci beaucoup. Et écoutez, je me bats contre les guignols et on s'occupe de faire les indices. Aïe. Et du coup vous avez débloqué le troisième et dernier tirage au sort de la fin du live, bravo à vous. Il y aura donc encore 15 points gardés à gagner à 23h. On va mettre un petit peu de peu là. Ouh, oh, les yeux dans le panier, c'est rigolo. Le DLC d'Elden Ring te tente pas? Comme j'ai agi pas mal de fois, malheureusement, pour faire le DLC d'Elden Ring, il faudrait que j'ai fait Elden Ring. Et comme vous le savez, je n'ai pas fait Elden Ring. Et je n'aurai absolument pas le temps de rattraper Elden Ring pour faire le DLC, c'est impossible. Donc, c'est malheureux, mais je vais devoir le zapper. Parce que pas le choix. S'il y a moyen de se dire, tu peux faire le jeu en coop avec Manu. Curieusement, c'est une question que je me posais. Est-ce que j'avais besoin de faire appel des fois à mes abonnés pour certaines missions? Finalement, je n'ai pas eu besoin. Parce qu'effectivement, dans ce genre de jeu un peu compliqué, c'est le cheat code. C'est appel à un ami. Et on appelle les amis très très chauds. Moi, j'ai la chance d'avoir certains d'entre vous. Méga chaud de ouf. Qui peuvent venir m'aider. Mais j'en ai pas eu besoin. Surprenamment. Donc, tant mieux. Tant mieux. Vas-tu faire le jeu Dragon Ball Sparkling Zero comme t'as fait Kakarot? Il arrive quand celui-ci, Sparkling Zero? C'est pas un jeu différent? C'est pas un jeu plus combat? J'ai bien vu qu'il y a effectivement un nouveau jeu Dragon Ball, mais je me suis pas du tout informé. Je sais pas de quel joueur il s'agit. Et je sais pas non plus quand c'est qu'il arrive. Mais vu que le jeu Dragon Ball de l'époque avait bien marché, Kakarot avait bien marché sur la chaîne, s'il y a un nouveau jeu Dragon Ball qui arrive et qui il est bien, il est fort probable que je le fasse. Même si j'avais pas spécialement apprécié Dragon Ball Kakarot. Pour une raison, c'est surtout parce que manga,
Je suis pas Dragon Ball du tout. J'ai jamais regardé Dragon Ball. Et bah quand on est extérieur à la hype Dragon Ball, quand on arrive dans le monde Dragon Ball et qu'on n'est pas spécialement intéressé à ça, c'est pas facile de s'y mettre. Hein. Et notamment, j'avais fait un test très critique, moi, pour dire que, bah, en tant que pas fan de Dragon Ball, c'était pas incroyable. Ça n'avait pas plu, effectivement. Mais donc, même si ça me plaît pas spécialement, vu que c'est un jeu qui marche bien, il y a moyen que je le fasse. Du coup, 200 pouces bleus s'est effectué, merci beaucoup. Donc, et ben, on va pouvoir donner 3 indices pour le personnage secret, les amis. Un personnage facile, franchement. Alors, je peux dire une bêtise, mais je crois qu'on l'a déjà mis il y a fort longtemps. Il y a très très longtemps. Donc, si quelqu'un a une liste de tous les personnages secrets, je crois que ça n'existe pas, mais si jamais, peut-être qu'en retentant tous les anciens personnages secrets, vous le retrouverez. Bref, ce n'est pas un indice. Les indices, c'est dès maintenant. Vous pouvez poser vos questions. Des questions qui peuvent être répondues par oui ou par non. J'en sélectionne 3. 3 indices. Vous pouvez tenter de trouver le personnage secret si vous posez les bonnes questions. Allez-y, c'est maintenant. Tac, tac, tac. Tu nourris bien la terre avec de l'engrais. Tu veux parler des cadavres? Oui, effectivement. Le gameplay est mieux que Ghost of Tsushima. Pour toi, ce n'est pas comparable du tout. C'est comme si tu disais, est-ce que le gameplay de Gran Turismo, il est mieux que le gameplay de Need for Speed? C'est deux jeux de voiture, on est bien d'accord. Ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Il y en a un qui est fait pour faire du fun, Need for Speed. Il y en a un qui est fait pour être réaliste et difficile, Gran Turismo. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est différent. C'est pareil pour Rise of the Ronin et Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, c'est du bourrinage à l'épée, c'est rigolo. Rise of the Ronin, c'est de la précision et du timing. Donc il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a surtout du gameplay que tu peux préférer. Moi de base, je suis plutôt du genre à aimer bourriner, ne pas me prendre la tête. Il s'avère que c'est quand même plutôt plaisant de se concentrer sur un jeu pour faire des bons timings, etc. C'est un peu plus gratifiant, un peu plus intéressant, un peu plus prenant. Donc il y a des bons côtés dans les deux cas. Alors c'est parti. Shilom qui demande est-ce que c'est un personnage fictif. Oui, nous cherchons un personnage fictif. Mais qui donc ensuite, je continue. Donc fictif encore une fois, etc. Blablabla. Est-ce que c'est une femme? Non, c'est plutôt un homme. Nous cherchons un personnage fictif masculin. Et troisième indice. Est-ce que c'est un humain? Non, mais... c'est humanisé. Mais non, ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. Mais bon. Voilà. Genre, j'ai pas d'exemple. Mais voilà. C'est un peu humanisé quand même. On va pas se mentir. Mais c'est pas un humain. Voilà. Donc nous cherchons un personnage fictif masculin. Qui n'est pas un humain. Voilà. Bon courage. Point d'exclamation. Le nom connu de la personne sans espace. Attention de tout coller. Et le premier qui trouve. Et c'est pas très dur. Il gagne 400 points café, c'est quasiment un cadeau directement, c'est magnifique. Allez-y, c'est parti, let's go. Voilà, donc les 3 indices ont été donnés, c'est magnifique. Et si ce n'est pas trouvé ce soir, rassurez-vous, on aura toujours dimanche prochain pour tenter de trouver ce personnage secret. Dimanche prochain, on débloque le platine de Rise of the Ronin. Au moins ça, c'est sûr. Et après, vu qu'il y a mon avis, on n'aura pas beaucoup de trucs à faire pour le platine parce que la majorité des choses se débloqueront dans le guide. À mon avis, on va avoir le temps pour faire autre chose dans la soirée. Je ne sais pas ce qu'on fera. Clairement, ce ne sera pas possible de faire le platine de Final Fantasy. Impossible. Peut-être qu'on fera une deuxième partie de live sur Dragon Dogma. Aussi simplement que ça, finalement. Plutôt découverte, hein, plutôt qu'autre chose. Donc, c'est sans doute ce que l'on fera, d'ailleurs. On verra bien. Parce que là, je vais passer quand même une grosse partie de la semaine à faire le guide complet de Rise of the Ronin. Donc je pense que ça va être comme ça. Faudra peut-être que je retourne un peu dans la campagne. J'ai l'impression que dans la ville, il y a beaucoup moins de missions qui m'intéressent. Là, je vais peut-être rechanger de zone. J'ai l'impression que dans la première zone, il y en avait beaucoup plus. Ou alors, on va dans la troisième pour changer encore un peu. Allez, on va rechanger. On va dans la troisième. Hop. Alors, pas mal de tentatives pour le personnage secret, mais pas de bonne réponse pour l'instant. Oh, Minou. J'avais pas remarqué, mais je crois que ça vient d'apparaître. Il y a des chats dans ma maison. Je crois que les chats apparaissent quand on a récupéré
plein de chats dans le jeu. Je suis persuadé qu'avant, il n'y avait pas de chats. Je vais juste vérifier avec mes enregistrements d'il y a longtemps. Ah si, il y avait totalement un chat. Je suis complètement fou. Ah, mais c'est des enregistrements quand j'avais déjà récupéré plein de chats. Je devrais en faire un dessin. Attendez, je veux juste être sûr. Ouais, non, il y avait des chats tout le temps. C'est quoi, je suis complètement fou, en fait. J'avais jamais remarqué. J'avais jamais remarqué qu'il y avait des petits chats mignons. Quel terrible personnage. Bon, bah en fait, il y a des chats partout. Très bien. Bah, ça me va, moi, j'aime bien. Hop. Allez, on change. On va à Kyoto, ce coup-là. Troisième région du jeu. Ça me rappelle Forspoken, ça. Non, Forspoken aussi, il fallait récupérer des chats mignons. Ils ont tenté aussi. Hein. Ils ont tenté. Forspoken, ils ont essayé de faire ça pour amadouer les joueurs. Ça n'a pas fonctionné. Rise of the Ronin a essayé aussi. Ça n'a peut-être pas fonctionné non plus. Oh, elle n'est pas très grande, cette région. Pareil, elle est très ville aussi. Je ne sais pas si on va en avoir beaucoup d'émissions. On va tester. Et s'il n'y en a pas beaucoup, on reprendra dans la première. On peut faire passer le temps dans le jeu si jamais vous vous posez la question. Pour ça, il faut débloquer dans l'histoire, c'est automatique. Une montre à gousset, et la montre à gousset peut permettre simplement de faire passer le temps n'importe où, matin, midi, nuit. Parce qu'en plus, il y a des objectifs secondaires qui sont disponibles seulement la nuit ou seulement le jour. Donc ça peut être très intéressant de la placer dans vos objets et de l'utiliser quand c'est nécessaire. Et en plus, bah, on aime bien jouer de jour. En général, c'est quand même plus joli que la nuit. Forspoken, il y a une réunion au sommet des chats quand tu les as tous, absolument. Et tu re-rentres dans ta petite cabane, là ils sont tous en rond en train de faire une réunion incroyable. Ouais, tout à fait. Puis après ils flottent partout dans la maison, il y en a qui volent, il y en a qui dansent, qui font des galipettes et tout, c'est incroyable. Alors, une petite mission, le jeu s'il vous plaît. Ce serait bien. Attendez, j'ai vu un truc super moche. Ouais. Là, les cailloux, là, ils se répètent terriblement. Regardez la ligne, là, à ma gauche, là. Regardez comme c'est pas beau, ça. Ça, voilà, ça, c'est 2003, ça. Ça, les textures de cailloux en mode ligne automatique, là, c'est pas beau, ça. Ouais, non, là, ça pique, là. Là, c'est pas beau, hein. Ah, non, là, on n'aime pas, ça. Ouf. T'as dit pour le quoi que sur ton site Trophée Platine c'est marqué FF7 au lieu de Rise of the Ronin. Ah, alors c'est possible puisque je reprends des templates à chaque fois, enfin je copie-colle mes guides pour ensuite les modifier. Donc c'est possible qu'à chaque fois j'ai pu oublier de modifier un titre. Dans quelle page exactement c'est marqué FF7? Dis-moi, comme ça je corrige juste après. Mais effectivement l'erreur est probable et possible. Si tu dis ça, c'est que ça doit être sur le guide de Rise of the Ronin qui est marqué quelque chose, marqué. Ah, je sais dont tu parles. Tu parles dans le premier paragraphe du site. Je suis persuadé que j'ai pas modifié. Donc c'est bienvenue dans le guide de Final Fantasy VII, guide par Snir, et sauf que ça devrait être marqué Rise of the Ronin. Je pense que tu parles de ça. J'en suis persuadé. D'accord, mais merci, parce qu'effectivement, je n'allais peut-être pas le voir. Et du coup, je vais le modifier. Bon, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de missions. Je pense que pour la... Ah, j'ai rien dit, je ferme ma gueule, il y en a une. Et je pense qu'on partira quand même dans la première zone, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y en a plus... dans la zone campagne du jeu. Et en plus, comme on rencontre des gens un peu plus faibles au niveau des levels. Donc ça ira plus vite. Il en reste. Hop. Grâce à vous, nous avons pu réduire nos pertes au minimum. S'il vous plaît, prenez ceci. Merci, c'est gentil. C'est super génial. C'est bon? Ok, super. Et est-ce que c'était vraiment nécessaire d'en mettre 50 dans les trophées? Sans déconner. Quel est l'intérêt, développeur de jeux vidéo?
Bon, vous mettez des missions secondaires comme ça pour que les joueurs puissent faire plein de trucs, etc. Ok, vous en mettez plein. Ça marche. L'intérêt d'en demander 50, ça n'amuse personne. C'est tout le temps pareil. Ça augmente la répétitivité, du coup les gens passent moins de bons moments sur le jeu. Y a aucun intérêt d'en demander 50. Zéro. Zéro. Absolument zéro. Tu ne comprends pas. Moi si je fais un jeu, je lui mets des collectibles. Bon, eh ben, je fais en sorte de mettre des collectibles intelligents, des collectibles agréables. Quand je ferai mon jeu vidéo, il arrivera un jour, on le verra, oui. Je mettrai des collectibles. Je mettrai des collectibles et je ferai mon guide sur mon propre jeu vidéo, ce sera génial. Vous allez voir, ce sera intelligemment fait, agréable. Vous allez kiffer les collectibles. Ce ne sera pas 50 fois la même chose tout le temps et encore. Il n'y aura pas 100 chats dans tous les coins. Non, non, non. Il y aura juste ce qu'il faut de collectibles dans des endroits intéressants à débloquer, un peu cachés. Ce sera génial. Ce sera génial. À quand un nouveau jeu Batman ? Eh ben quand les serveurs de Suicide Squad seront fermés. Et en espérant que le studio se remette de cet échec terrible. Et si le studio n'est pas mort, eh ben ils pourront démarrer un nouveau jeu Batman. Donc l'année prochaine. Ah, le début de développement l'année prochaine, pardon. Et le prochain jeu Batman dans plusieurs années. C'est quoi le taux de complétion affiché ? C'est tout, quand t'as tout récupéré dans les régions, sur toutes les régions, tu peux voir, il y a des petits trucs à cocher. Tout n'est pas nécessaire pour le platine. Mais tu vois, ici, par exemple, il y a les bannières. Tu n'as pas besoin d'offrir les bannières. Les autres publics, bon, c'est les crimes, fugitifs, une table, sanctuaire, chat, coffre au trésor, entraînement, photographie. Une fois que tu as tout récupéré, tu as le 100% de ta petite région. Et quand tu as le 100% de toutes les régions, tu as le 100% tout court. Voilà. Heureusement, ils ont la bonne idée de ne pas demander tout. Mais seulement certaines choses. Donc c'est bien. Mais c'est suffisant déjà. On dirait qu'on a un nouveau prénom. Donc, je laisse en voir toi, voilà. Hop. Ok, bon, normalement, on va pas tarder à avoir le trophée. J'en ai peut-être fait 2-3, il m'en fallait 10. Encore un peu, hein. Faudrait que ça apparaisse vite, hein, si on veut que ça tombe avant ce soir. Faut espérer que les serveurs ferment au plus vite. Parce que ça coûte de l'argent. Et tant que ça coûte de l'argent au studio de développement et à leurs éditeurs, ils ne sont pas prêts à mettre un budget pour développer un nouveau jeu. Et pour l'instant, ils sont surtout en train de mettre les ressources au max pour sauver Suicide Squad et faire en sorte que ce ne soit pas un échec terrible. Donc tant que Suicide Squad sera en tentative de sauvetage, il n'y aura pas de nouveau développement, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Oh bah non, attends, je voulais faire un assassinat. Donc pour ceux qui veulent un nouveau jeu Batman, il faut effectivement qu'ils espèrent que les serveurs ferment rapidement. Voilà. Mais rassurez-vous, ce sera pas avant l'année prochaine pour ceux qui jouent à Suicide Squad. Pour les trois personnes là, dans le fond de la salle. Qui joue à Suicide Squad, Dylan, je te vois. Ce sera pas avant l'année prochaine la fermeture des serveurs. Pareil pour Skull and Bones. Skull and Bones, vous pouvez attendre au moins 1 an et demi, 2 ans, et après ça ferme. Hop. J'y joue, j'attends le Joker le 28 mars. Et ben, j'espère que ça sera bien. Allez, on continue. Excusez-moi, j'ai pas le temps, monsieur. Parce que les demandes, il y a les saisons qui vont arriver, non pas tout de suite encore. Absolument, ils vont déjà faire toutes les saisons qu'ils ont prévues. Donc il y a environ 1 an de contenu prévu, si je dis pas de bêtises.
Et après, on va faire un bilan. Et on va faire un bilan de... Alors, est-ce qu'on remet des saisons ou est-ce qu'on arrête les frais? Et je peux me tromper, mais il se pourrait qu'il fasse le bilan et que ce soit pas très bon, les Skull and Bones, en termes de chiffres, hein, de purs chiffres. Et donc, au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, bah, écoutez, on a déjà perdu 300 millions dessus, là. On va peut-être pas encore perdre 200 millions. On arrête. Mais peut-être que je me trompe et que finalement Skull and Bones est un succès et qu'ils vont continuer. Je ne veux pas mourir. C'est possible, hein, je peux me tromper. Hein. Mais comme ça, visuellement, on a le droit de peut-être être un peu, tu vois, moyennement optimiste. Après, hein, bon, ça n'empêche pas des fois des serveurs d'être maintenus même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Par exemple, Marvel's Avengers, Square Enix, bah ils ont maintenu le truc, hein. Ils ont maintenu le truc. Donc ça se trouve, ça peut suffire, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de gens. Je suis pas dans les comptes, donc ça se trouve, en fait, ça va. Le studio va pas fermer à cause de Suicide Squad. J'ai pas la moindre idée de à quel point ils ont balancé des ressources dans Suicide Squad. Sans doute quand même beaucoup. Donc bah faudra voir. Faudra voir. Alors à mon avis il y a déjà eu quelques licenciements, ils ont dû réduire les effectifs. Mais bon, ça peut tenir, hein, ça peut tenir. Je me rends pas compte de la solidité financière. Il y a quand même Warner derrière, hein. Il y a quand même Warner, donc Warner a mis des billes et Warner ils peuvent encaisser des pertes, hein. Ça marche. Il n'y a pas que le studio développement, hein. Il y a surtout les éditeurs derrière. Donc ça peut tenir malgré Suicide Squad. Faudrait voir les chiffres exacts qu'ils annoncent. Mais en tout cas, n'attendez pas de Batman Arkham avant un moment. C'est pas le projet. En plus, il y a Sea of Thieves qui arrive sur PS5, donc ça doit pas aider. C'est vrai que... Bon, alors après, c'est pas du tout le même public. Hein. Public Sea of Thieves et public Skull and Bones, même si c'est des jeux de pirates, c'est quand même pas pareil. Il hein. Y en a qui est vraiment orienté fun, entre potes, etc. Il y en a qui est orienté farm, hardcore, presque MMORPG, tu vois. Entre un petit jeu arcade et un gros MMORPG, enfin un gros MMORPG et un MMORPG, c'est pas la même chose. Donc, je suis pas sûr que Sea of Thieves cannibalise absolument Skull and Bones. Alors, à moins que tu te situes dans la situation où tu veux absolument jouer un jeu de pirate. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de gens qui veulent absolument jouer un jeu de pirate. Donc, je sais pas si ça va vraiment enterrer plus que ça Skull and Bones. Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression que les gens aient à choisir entre les deux. Pas pareil. Pas le même style. Je suis déjà passé par là, moi. Tu m'as déjà attaqué exactement, d'ailleurs. Au même endroit. Je tourne en rond, apparemment. Très bien. On va essayer de se décaler un peu. J'hésite à acheter Avatar. Qu'en penses-tu? Je pense que tu devrais hésiter encore un peu plus. J'ai fait un test sur Avatar. Ouais, je crois que j'ai fait un test sur Avatar. Alors, Avatar n'est pas un mauvais jeu, mais on n'est clairement pas sur le jeu que la plupart d'entre vous auraient aimé en tant que jeu Avatar. Puisqu'en fait, on se retrouve avec un Far Cry Ghost Recon avec un skin Avatar. Cependant, il y a beaucoup de gens qui aiment le style Far Cry, qui aiment le style Ghost Recon. Ainsi, le jeu Avatar peut être un bon jeu pour certaines personnes. Moi, j'étais particulièrement déçu que ça se transforme en FPS bourrin avec une histoire un peu nulle. Mais il y en a, ça leur va très bien. Donc, va voir les tests, va voir mon avis. Et tu sauras si c'est un bon jeu pour toi, parce que c'est pas totalement à jeter, hein, Avatar. Il y a des trucs, l'environnement est vraiment sympa. Mais si tu cherches un jeu de solo très narratif, intéressant, etc. Compliqué. Compliqué, compliqué. Il y a des missions de chasse. Dans Rise of the Ronin, non, j'en ai pas vu des missions de chasse. Parce qu'effectivement, tu as peut-être vu des animaux sauvages. Autrement dit, des petits écureuils, il y a des sangliers. Mais j'ai pas vu de mission de chasse liée directement à ça. Il y a une utilisation des ressources animales dans le jeu, mais je crois pas qu'il y ait de chasse particulièrement développée. Alors,
ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une petite mission. On va peut-être se mettre un point pour se diriger ici. J'avais apprécié Avatar, très beau collector, mais remplissage encore et encore. Et c'était même pas spécialement plus embêtant, je trouve, à part quelques quêtes de ressources. Pour moi, c'était vraiment le gameplay qu'ils ont fait, bah, je sais pas, un peu bizarre, un peu difficile, un peu trop orienté sur le bourrin. Je sais pas, quand on pense à un jeu Avatar, on pense être envoûté dans une ambiance incroyable, etc. Pas tiré avec des lance-roquettes. Bah, après, je sais pas, j'ai pas regardé les films Avatar, moi. Donc peut-être qu'en fait je me trompe et que Avatar c'est des gros bourrins qui lancent des roquettes et des fusées. Hein. Mais de loin, j'avais plutôt l'impression qu'on ait envie de se sentir dans une petite bulle naturelle, etc. Avec une belle ambiance. Et pas se retrouver avec un boum boum pam pam. Et c'est pour ça que ça me fait peur pour Star Wars Outlaw d'Ubisoft. Puisque c'est développé par les mêmes personnes en même temps qu'Avatar. Ce qui fait qu'ils ont divisé leurs ressources pour Star Wars Outlaw. Pas une bonne nouvelle. Qui étaient les développeurs de The Division, je crois aussi. Alors après, un style bourrin FPS va sans doute mieux dans un Star Wars que dans un jeu Avatar. Donc si on se retrouve avec un style un peu costaud bourrin, bon, pourquoi pas. A voir, puisque pour ceux qui ne s'en rappellent pas, hein, des premiers trailers du jeu Star Wars, on sera pas un Jedi, hein. On sera pas au sabre laser. Il y aura aucun sabre laser dans le gameplay de Star Wars Outlaws. Attention, hein. On le répète ça. Vous êtes une bandit qui va jouer surtout avec un blaster principalement, avec des assassinats un peu discrets aériens. Enfin, ce sera peut-être pas des assassinats, ce sera des assommations, des assommages. Mais il y aura pas de sabre laser, hein. Enfin, vous rencontrez des gens peut-être avec des sabres laser, mais vous serez surtout au blaster. Hein. Ça avait choqué pas mal de gens d'ailleurs qui espéraient avoir un jeu à la EA Star Wars. Ce ne sera pas le cas. Mais ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, c'est bien, ça a peut-être changé un peu. Hein. Mais faudra juste pas s'attendre à jouer un Jedi. Y a-t-il quelqu'un qui ait confiance en ses talents martiaux ? Bah moi, hein. En plus, je suis en mode facile, donc... Et a encore plus de confiance, hein. On se tape. Avoma. Je suis chaud. Attends, laisse-moi prendre ma posture, je suis bon, je suis prêt. Déjà ? Oh. Assez. Belle démonstration. Prenez ceci en compensation. La façon dont vous avez manié votre arme pour déséquilibrer mon élève était époustouflante. Ok, super, merci. Ça va être top, surtout avec la petite boule qui t'accompagne. Ah bah oui, eh oui. Qui dit Star Wars dit truc mignon. Et donc, ce ne sera plus BD-1. Ce sera... alors je sais plus le nom qu'il a, je sais même pas s'il a un petit nom là, cette petite créature, qui est une race d'ailleurs qui a été inventée exprès pour le jeu. Hein. Si je dis pas de bêtises, j'avais fait mes recherches là pour le premier trailer. La petite créature bizarre là, n'existe en aucun cas dans une autre Star Wars. Donc c'est cool, déjà. Et oui, bien sûr, un truc mignon égale incroyable. Merci à Craig d'être là, 36 mois, la Team Café, merci beaucoup. Bonsoir à toi, j'arrive et je repars aussitôt, demain travail. Et bah bon courage pour ton travail, et puis bah bonne game parce que je sais que tu es sur le jeu également. Bon courage, et Artrek, à mon avis, toi tu ne le fais pas en mode facile comme moi. Donc bon courage, j'espère que t'avances bien, merci d'être passé. Et merci pour le soutien. Allez, il reste un quart d'heure là. Est-ce qu'on n'aurait pas des petites missions qui apparaissent là? Ce serait bien. Il nous en reste pas beaucoup, mais quand même. Hein. Donc, ouais, c'est pour ça que vous devez impérativement, pour ceux qui font le jeu, prendre le temps de les faire hein, dès qu'elles apparaissent sur votre chemin. Puisque ça vous évitera de farmer comme moi pendant quelques heures. Hop, c'est quand tu vas faire les strats des vidéos difficiles sur Rebirth, sur ta chaîne secondaire. Eh bien, dès que je peux, Mickaël, puisque tu te rends compte que là, je suis sur Rise of the Ronin, et que je ne peux pas tout faire en même temps. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir faire à la fois du Final Fantasy, à la fois du Ronin, et avoir les deux ordi en même temps sur chacune des bras et des mains, tu vois, hop, sur un côté à l'autre. Manifestement, je ne peux pas. Ça arrive au plus vite. J'ai pas de date, parce qu'il faut que je fasse Rise of the Ronin, ça va sans doute m'occuper sur la semaine, déjà.
Et après, il y a malheureusement Dragon Dogma qui est là aussi en queue de peloton. Donc une fois que j'aurai fini Rise of the Ronin, se posera la question de est-ce que je dois mettre une semaine sur Final Fantasy ou une semaine sur Dragon Dogma. La question se posera et on verra. Mais ça arrivera, hein. Ça arrivera. C'est juste que il peut pas tout faire. Si seulement tu pouvais te dédoubler, ce serait bien. Hein. Ce serait bien. Faut vraiment que je reste sur les routes. À chaque fois, je m'écarte des routes pour aller au point, mais c'est pas la solution. Ça manque de musique dans le jeu aussi. La bande son est un peu absente dans l'open world. Quand même. Là par contre, quand on est sur Final Fantasy, on se fait plaisir parce que la musique qui va à fond dans tout l'open world, t'as de la musique. Et là, ça manque un peu là. Le Mercal, la créature, il s'appelle Nyx. Merci pour les recherches Dylan et je crois que les Mercals effectivement ont été inventés exprès hein, pour le jeu. D'accord, ça manque de musique, ça m'a choqué. Ouais, hein, c'est dommage. Hein. En retour. En plus, Japon, t'as moyen de faire une petite bande-son super super top avec des petites musiques un peu japonaises et tout, tu vois. Eh bah, que dalle. À part les combats, le jeu a l'air très ennuyeux. Alors là, c'est parce qu'on est vraiment dans le 100% répétitif. C'est clairement pas ce qui va donner le plus envie, effectivement. En réalité, c'est surtout des quêtes à faire, etc. Donc, t'es jamais trop comme je suis en train de le faire moi, c'est-à-dire à te balader et à rien faire. T'es quand même globalement beaucoup en train de faire du combat, c'est le principal du jeu. Donc, ça va. Le jeu est pas spécialement ennuyant. Enfin, j'ai pas ressorti ça en tout cas. Peut-être pas aller par là. Les 100% c'est toujours un peu ennuyant. Il y en a plus que d'autres, mais effectivement, malheureusement, les 100% ajoutons des open world, c'est souvent un peu ennuyant. Parce qu'il y a des 100% qui sont pas ennuyants. Par exemple, pur hasard, comme ça là. Detroit Become Human. Le 100% Detroit Become Human, il est pas ennuyant. Il est absolument passionnant. Du début jusqu'à la fin. Et pourtant, il y a des collectibles. Eh hé. Mais c'est vrai que y en a un peu plus. On nommera un certain Red Dead Redemption 2. Un certain Final Fantasy 7. C'est un peu plus pénible. Trophée, 50 rencontres fortuites. Et bah parfait, avant la fin du live. Alléluia, c'est génial. Bon, et bah nickel. Et ben voilà, c'était le premier trophée de farm que je voulais faire ce soir. On est content. On en a un deuxième en stock. Il est encore plus chiant. Il y en a un qui demande de faire 100 assassinats. Donc faut arriver discrètement et tuer des gens. C'est pour ça pareil. Durant toute l'histoire du jeu, forcez-vous à faire de la discrétion. Parce que pareil, sinon. Vous allez passer votre vie à faire les assassinats. Votre vie. Alors, j'en suis à combien sur les assassinats? Donc, il en faut 100. Donc, ça va être pratique parce qu'avec le nombre de pourcentage, on saura exactement le nombre que j'en ai fait. Spoil, j'en ai pas fait beaucoup. Pas assez. En fait, pour être très précis, j'ai un peu bourriné dans le jeu. 38%. J'en ai fait 38. Sur une centaine. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que j'ai encore plein de missions secondaires à faire, donc je vais pouvoir en faire de mon côté. On va essayer de trouver un endroit sympa pour les farmer un peu, parce que l'avantage des zones ennemies comme ça, c'est que dès que vous barrez, ils vous suivent plus, ils s'arrêtent. Donc après, vous pouvez vous barrer et revenir après plus tard. Donc si on trouve un endroit sympa pour farmer ça facilement, ce sera peut-être pas mal. Faudrait juste trouver un bon endroit. En discrétion, on va rigoler. Ce n'est pas ma spécialité, je vous l'accorde. Mais écoutez, quand on est nul, il faut s'entraîner, n'est-ce pas?
Ça marche là? Hop. D'accord. Impeccable. Le mieux serait de trouver un endroit. Est-ce que... Attends, je l'ai pas tué. Si je l'ai pas tué, est-ce que ça compte comme un assassinat? La logique voudrait que non. On va vérifier quand même. Parce qu'effectivement, les ennemis les plus forts, vous ne pouvez pas les tuer directement. Mais après, c'est peut-être juste l'animation qui compte pour le trophée. On va juste vérifier, juste attendre de perdre les ennemis pour être sûr que ce soit validé. Ok. Alors voyons voir, est-ce que je suis à 39%? Je suis à 39%, ok, donc c'est bon. L'animation d'assassinat compte pour le trophée. Vous n'avez pas besoin d'assassiner directement. Très bonne nouvelle. Très 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 bonne nouvelle. Donc on va essayer de faire des petits allers-retours à gauche à droite. En se téléportant, je pense que ça marche très bien aussi. Comme ça vous vous téléportez d'un point à un autre. Il y a une compétence à débloquer qui peut être intéressante également, qui permet d'assassiner deux personnes qui sont côte à côte directement en enchaînement. C'est pratique. Et pareil, si tu trouves un bon endroit pour se farmer ce trophée, ça peut être sympa. Je vais essayer de pas tuer tout le monde, comme ça je pourrais laisser cette zone pour farmer plus tard également. Bonjour monsieur. Oh mais j'ai caressé un loulou. Il se bat avec moi? T'es mon loulou maintenant? Oh c'est mon loulou maintenant, trop bien. Il y avait un chien, je l'ai caressé. Oh non mon loulou, vite on se barre, il y a des gros, ils sont gros méchants ici. C'est des gros méchants, viens, viens mon loulou. Viens. Non viens, viens. Tu veux retourner dans ton camp? Bon bah retourne dans ton camp, c'est bon, j'ai compris, je suis pas ton maître. Bon, bah très bien, au début je pensais que c'était un ennemi, je voulais le tuer, mais en fait j'ai caressé un chien en plein milieu du champ de bataille, mais tout va bien. Ça fait pas plaisir de passer à autre chose que FF7? Si. On va pas se mentir, un peu. Mais bon. C'était quand même un bon jeu FF7, hein, donc c'était pas un supplice non plus. On va essayer d'aller là. Hop. Hop là. Je crois que je voulais pas montrer encore le Deltaplane. Dans le jeu, vous avez un oiseau géant là, que vous pouvez activer absolument partout, n'importe quand, c'est pratique. C'est juste que ça consomme beaucoup d'endurance, donc vous pouvez pas faire des kilomètres comme ça, mais c'est quand même plutôt sympa. Hein. C'est une compétence apprivoiser les animaux. Ah tiens, j'ai même pas fait gaffe. Bah très bien, pratique. Alors, analysons notre terrain. Allez. Je pense que les assassinats aériens comptent également pour le trophée. Tout ce qui est avec la petite bulle rouge, à mon avis, ça compte. Allez. Avec les grappins, peut-être aussi, mais dans le doute, on va pas utiliser le grappin pour être sûr. Hop, les bubules. Quand je dis les bubules, c'est le petit rond rouge, pardon. Oui, le petit truc rouge qui te permet d'assassiner. Effectivement. Oui, c'est vrai que quand je disais bubules, c'était peut-être pas très clair. J'avoue. Hop. Je suis caché. Ah non, je suis pas caché. Hop là, au revoir. Tu sais que tu peux activer la revente automatique et le ramassage automatique. Alors, ramassage automatique, je vois le principe. Revente automatique, et pareil, désassemblage automatique, ça existe. Le désassemblage automatique, ça me paraît être une mauvaise idée. La revente automatique, peut-être, mais bon. En fait, j'aime bien décider de ce que je revends et décider de ce que je... désassemble, en fait. Donc je trouve que c'est moins intéressant. Le ramassage automatique, par contre, ça me paraît peut-être effectivement pas mal. Combien d'heures pour platiner FF7? Je t'invite à aller voir mon guide, tout est expliqué en détail. Il y a un guide vidéo, un guide écrit, je ne peux pas faire mieux. Fais-tu encore des vidéos sur After Effects? Non, j'ai arrêté. J'ai plus le temps, malheureusement. Bonjour. Encore un chien. Bonjour, le chien. Tac. Comment t'arrives à faire les 300% de dégâts sur le choc de FF7 Rebirth? Moi, j'arrive à faire que 220. Alors, ça dépend de ce que tu utilises actuellement ou pas.
et sur quel boss tu le fais. Le mieux est de te mettre en mode normal déjà pour que les boss soient suffisamment costauds, sur un boss assez costaud du simulateur de combat. Ensuite, bien sûr, il te faut Tifa pour monter le multiplicateur. Et surtout, il faut utiliser la materia de ralentissement de temps. Comme ça, tu vas pouvoir stopper l'ennemi et augmenter énormément l'état de choc. Et là, tu vas avoir le temps de monter à 300% si tu es efficace avec Tifa. Je m'en ai parlé dans des vidéos astuces de combat. Donc, va voir mes vidéos astuces et dedans, j'en parle en détail. Alors... Bonjour. Vous étiez là, vous? Très bien. Je ne vous avais pas vu, j'avoue. Là. Tac, le platine peut-il se faire en mode facile? Oui, à un seul trophée qui te... Je pense que tu parles de Rise of the Ronin. Oui, à un seul trophée te demande de relancer une mission en mode difficile. On l'a fait dans ce live, c'est vraiment pas dur. Mais sinon, tout le reste du jeu peut être fait en mode aube, qui peut être considéré comme un mode facile. On reste quand même sur Rise of the Ronin. Donc, c'est un mode facile, entre guillemets, mais franchement, ouais, ça devient un jeu totalement accessible, donc on peut considérer ça comme un mode facile. Mais ouais, tout peut être fait, à l'exception d'une seule mission qui est pas très très dure. Donc, n'ayez crainte, hein, pour ceux qui avaient peur que ce jeu soit difficile, c'est vraiment pas le cas. Et c'est d'ailleurs assez surprenant pour le studio, parce que quand on voit les précédents jeux du studio qui sont d'une infamitude de difficulté, bah là ils ont changé tellement de style, c'est impressionnant. Ok, bon, bah, les assassinats peuvent quand même s'enchaîner assez facilement dans des gros camps, donc en fait ça va, il nous en manque quand même beaucoup, on débloquera pas le trophée ce soir. Là, j'en ai au moins fait 5-6 déjà. Ils veulent vendre plus. C'est vrai que le fait de rendre un jeu plus facile peut t'ouvrir un marché plus facile, à condition que tu communiques dessus suffisamment. Je ne suis pas sûr que les gens s'attendent, s'attendaient du coup, à un jeu accessible quand on a vu les trailers de Rise of the Ronin, etc. Je pense que la majorité des gens ont gardé en tête le fait que ce soit un jeu difficile. Donc je ne suis pas sûr que ça les a aidés à vendre plus. Je me demande si je peux le farmer lui, parce qu'en fait il meurt pas avec mon assassinat et à chaque fois que je me barre et que je reviens je peux lui remettre un coup. On va tenter pour voir. Et je suis même pas sûr d'ailleurs que le fait de rendre un jeu plus facile t'aide à vendre beaucoup plus. Par exemple Elden Ring, succès commercial de dingo, ils ont pas rendu le jeu plus facile. Tu vois ? Et je suis pas sûr que Rise of the Ronin ait plus de ventes que Elden Ring. Pourtant il est plus facile. Après, effectivement, si Rise of the Ronin avait été plus dur, est-ce qu'il se serait vendu encore moins? Bonne question. Alors, je suis à 47%. Hop là. Ouais, à mon avis, ça compte, hein, parce qu'il regagne sa vie à chaque fois, là. Il meurt pas. Ouais, c'est pas mal, je crois, comme spot. On va voir, on va vérifier. 25 millions pour Elden Ring, c'est incroyable. C'est incroyable pour un Souls-like, c'est fabuleux. C'est incroyable. Un indice, please. Les indices ont déjà été donnés pour le personnage secret. On sait que c'est un personnage fictif qui est masculin, qui n'est pas un humain. C'est pas un humain, mais il est un peu humanisé quand même. Voilà. Pendant qu'on y est, les 58, on va lancer le dernier tirage au sort du live et on tire au sort tout pile à 23h. Donc n'hésitez pas. Dès maintenant, point d'exclamation TAS pour participer au dernier tirage au sort, je mets un petit jingle. 20h-23h, tous les dimanches, avec Sneer. Oh, les dernières chances de gagner 15 points café, allez-y, point d'exclamation TAS pour participer. Et je vais pouvoir effectivement farmer un petit peu ici, puisque ça compte sur l'assassinat, donc c'est pas mal. Alors j'en assassine que un par un, mais c'est bien. C'est bien, c'est en 10 secondes j'en fais un à chaque fois. Il faut que j'en fasse 50. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est bien. Mais on va dire 30 secondes. 30 secondes, donc 50 fois 30 secondes. 25 minutes. 25 minutes, j'ai fait mon trophée normalement. Bon, c'est un peu de farm, c'est un peu chiant, mais ça se fait.
Hop. Bon, bah au moins ça vous aura fait une petite découverte de Rise of the Ronin pour ceux qui connaissent pas le jeu. Bah, ce coup-là, je l'ai tué. C'était pas prévu. Le plan a changé. Bon, et ben, on change de cible. Hein. Alors, regardez l'esprit, que c'est clairement pas la partie la plus intéressante du jeu que vous avez vu ce soir. Le plus intéressant, c'est l'histoire, c'est les combats contre les boss, etc. Mais à côté de ça, pour le platine, bah, faut quand même se bourrer une petite partie d'open world, de collectif, de trucs un peu répétitifs. Ça fait partie du jeu. Mais c'est clairement pas le plus intéressant. Donc, je vous encourage à vous renseigner si jamais ça peut vous intéresser. C'est un jeu qui est agréable. C'est pas le meilleur jeu du monde. Mais il y a des bons points quand même. Et je pense que ça peut convenir à la majorité d'entre vous. Donc voilà pour Rise of the Ronin. On va s'arrêter là les amis, il est 23h. On va faire le dernier tirage au sort pour voir qui gagne. Et on se retrouvera dimanche prochain sur ce même jeu pour le platiner. Je sais pas ce qui va me rester pour le platine. Globalement, pas grand chose à mon avis. Parce que la grande majorité des trophées sont liés au 100% et au collectible. Et je m'occupe de faire des guides de tout ça dans la semaine. Donc on verra. Mais sans doute que le platine de Rise of the Ronin, il sera débloqué en un claquement de doigts. Donc soyez là dimanche prochain, ça vous sera utile. Allez, c'est parti, dernier jingle. 20h-23h, tous les dimanches, avec Sneer. Olé. Et dimanche prochain, on fera très probablement du Dragon Dogma. Je serai sans doute au tout début du jeu, parce que j'aurai pas le temps de commencer. Mais au moins, eh bien, on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti, dernier gagnant de la soirée. Et il s'agira de Alexandre, jamais Sardin, bravo à toi Alexandre, tu viens de gagner 15 points café qui te seront crédités pour la semaine prochaine. Je l'ai promis, la semaine prochaine, tous les points café de retard seront crédités. C'est promis. En tout cas, bravo à toi et bravo à tous. Merci pour votre participation ce soir. Rappelez-vous qu'on a eu la blague la plus drôle depuis l'univers entier des lives, donc c'est quand même absolument incroyable. Si vous avez raté, revenez une heure en arrière, vous profiterez de ça, c'était génial. Merci à tous d'avoir été là, merci pour vos pouces bleus, vos commentaires, et merci pour ceux qui ont envoyé du café également, qui soutiennent, merci infiniment. Et on se retrouve très très vite, donc bah, cette semaine, des vidéos sur Rise of the Ronin majoritairement, peut-être une vidéo astuce, etc. Il y en a déjà une qui est sortie aujourd'hui, allez la voir. Et sinon, bah, les guides 100%, et après, eh ben, on enchaîne sur peut-être Dragon Dogma, peut-être la suite de Final Fantasy. En tout cas, on enchaîne, on ne s'arrêtera pas, et on se retrouve très très vite. Donc merci à tous, passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et n'oubliez pas les petits cafés.